Jack Dish, Joy Paul. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Cœur de l'info. Joy Paul. bonsoir. Bonsoir Nawaz, auditeurs et internautes, bonsoir. Rama Sitanen décortique le budget 2022-2023. Depuis mardi le 7 juin, PIP vive à l'air budget 2022-2023, présenté par ministre finance Renganaden Padayashi. Une philosophie budget axée le social pour faire face à l'augmentation du au coût de la vie et en même temps essaye de désamorcer toute crise sociale après une récente protestation publique qui finit là dans le pays. Volet également bien important dans le budget, c'est l'investissement dans la sécurité alimentaire, accélération transition énergétique pour qu'il nous atteigne au moins à une production de l'énergie d'environ 60 d'ici l'année 2030. C'est un budget national de 172 milliards de roupies, revenus estimés à 150 milliards, donc un budget déficitaire d'environ 4 Si différentes classes sociales paient d'accord, paient expriment satisfaction, par contre nous constater qu'il y en a des économistes, ban responsables financiers et même l'opposition je te peux demander comment gouvernement pour finance propositions et projets est-ce qu'il peut sacrifier c'est-à-dire l'économie l'économie nationale l'économie du pays au profit ban exigence sociale donc depuis trois jours nawaz population et ban Mauriciens qui trouvent eux à l'étranger et eux très nombreux qui peuvent suivre ce programme là donc cet après midi je peux poser également la question, donc je peux vivre, je peux consommer le budget en termes de millions et milliards. Ça, c'est la forme, mais également le fond compté. Alors, une réflexion en profondeur pour ce qui nous peut trouver et ce qui ne nous peut pas trouver. Sa réflexion-là est bien importante, Donc, pour que la population tire bonne leçon et faire ce jugement. L'opinion de Ramar c'est une opinion. Comptait hein, sur la place. Euh, Ramastanen, économiste pendant plus de euh, à peu près quatre décennies, occupe pendant près de dix ans le poste de euh, ministre des Finances. Ramastanen, bonsoir. Bonsoir, Nawaz. Bonsoir, Jagdish. Bonsoir. Et bonsoir, tout Auditrice, auditeur, bon internaute de Radio Plus. Alors, moi, Jagdish, tout à l'heure, vous pour nous, trouve ce qui ne pas nous trouver. Hein. Donc, c'est un peu ça au rôle. Mais pour commencer, un commentaire général en guise d'introduction. Il y a beaucoup d'attentes euh, par rapport à ce budget, surtout de la part de la population. Est-ce que vous pensez que le ministre paléatif ne répond aux attentes surtout de la population Il y a trois attentes de ce budget-là. D'abord, la plus importante, c'est évidemment comment le ministre des Finances vous donne une compensation pour la perte Accélérer du pouvoir d'achat de nos compatriotes mauriciens. Ça dit extrêmement important. Et surtout pour atténuer une crise sociale. Le climat avant budget, pas si bon. Second, qui me pensait important pour le pays, c'est comment le ministre, nous tous, nous avons un budget social. Pour financer ce budget-là, tout en maîtrisant ce déficit budgétaire, ce dette, pour qu'à long terme, nous n'ayons pas besoin d'un problème. Et même à court terme, nous connaît qu'ils nous disent pour peuvent faire une review annuelle mais pour nos pays pas déclassés en termes d'investment grade. Et troisième, qui, à mon avis, est très important, relance pour l'économie. Et la relance pour l'économie, il y a trois volets. Comment y a nous consolide dans le secteur traditionnel de nos pays Et nous te connais qui trois secteurs traditionnels là. Second, comment y a nous diversifier nous l'économie pour nous améliorer sur résilience à Manchoc choc. Mm -hmm. Et troisième, comment y a nous transforme nous l'économie pour nous capables monte d'un revenue chain. Nous avons plus de valeur ajoutée, nous avons un meilleur travail pour nos compatriotes, nous avons plus de salaire et de qualité de la vie qui a augmenté. Mm -hmm. Maintenant, le premier là, il est clair que le ministre des Finances il fait un grand effort, c'est-à-dire pour calmer le jeu et il annonce une série de mesures sociales, mm. qui évidemment pour aider la population, pour faire face à l'inflation qu'ils ont déjà subie. Hein. Ouais. Alors ça, il me fait manger. Bon de Maintenant, est-ce qu'il est qu trop tard pour faire ça Est-ce qu'il too little, too late mm. Et troisième, est-ce qu'il est, qu il est -il capable de présenter différemment de ce qu'il a présenté un grand débat là. Mm. Mais grosso modo, quand même, c'est toutes ces trois mesures fortes pour penser qu'il est capable de contenir ça. Euh, au les Lola. Ouais. le second objectif comment il finance ça bon là il fait un petit truc avec nous à nouveau il exagère un petit guide la croissance pour les capable de gagner un peu plus de recettes il euh, prend nous nouvel qui lui vendre bijou de l'état pour financer et après il sert beaucoup casqué dans un special fund. Mmh. alors là le papier ce déficit bas mais il nous sert euh, le troisième est-ce que peut refaire un nouveau l'économie pour nos pays D'après moi, là, Et là, secteur, il y a une question, il y a un secteur qui a un effet. Beaucoup de mesures sont annoncé, annoncées, mais on connaît la Maurice nos grands problèmes, c'est l'exécution, l'exécution, l'implémentation, l'implémentation. Mm. Et après, il y a un secteur qui parle de presque rien. Le, le, le focus, euh, nous, l'impression qui nous gagnait et euh, que beaucoup de gens gagnent. Donc, c'est un business qui focus beaucoup sur le social. Comment on dirait que tu vis à calmer le jeu et appelle ça un diffet. Ben, une mesure sociale qui va coûter à peu près 15 milliards d'euros. Ma question, c'est -ce que, comment on trouve ça dans ben, mesure-là? Est-ce que tu es capable de faire mieux d'après vous? Est-ce que tu es capable de faire différemment d'après vous? Bien sûr. D'abord... Je pensais que le ministre, s'il fait une erreur stratégique, il est trop tordé pour annoncer de mesure. Dans mon comprens, l'inenvie en primeur gagne toute l'attention. Mais la situation, c'est tellement difficile que dans beaucoup de pays, on a fini pas de mesure en deux hauts budget un mini-budget Mais dans l'Angleterre, M. Souna il présente trois budgets. Les bons qui me disent « Oh, rappelle qui, quand il y a une crise financière 2007-2008, on présente des budgets dans même l'année pour ne pas réagir. Alors, mm. l'intardé. Et Djimoun, euh, il commence à sous tension. À cause et pour ça, il y a une manifestation. Et pendant que du monde peut demande une intervention de l'État pour soulager le pied d'Ata, il y a une provocation qui doit faire. Je l'augmente pour une quatrième fois après l'essence, mm. par 10%, et après je augmente prix gaz. Alors, vous penser le timing... Qu'il faut, il est capable de faire ça plus bonheur, tu prends moins de pression. Mais le y une mesure la autres même. C'est bon. Alors, bonne mesure. Nous avons trois mesures fortes. Hein. Ouais. Premier, qui est plus important, c'est un income support de 1 000 rupies à tout le monde qui gagne jusqu'à 50 000 euh, rupies. Ouais. Ça, c'est une mesure forte. Et d'après les ministres, ils peuvent tous à peu près 350 000 ouais. euh, personnes. Ce so, second euh, euh, mesure fort, c'est évidemment zéro qui vient de faire pour ban grandi pension vieillesse. Mais pension vieillesse, il est aussi inclure Pension pour ban invalide, ouais. pension pour ban veuve et pension pour ban offré. Mm. Et ça, c'est une cascade en dé. Ban qui gagne, ban jusqu'à 60 ans, 60 à 65 ans, je gagne 10 000 roupies ouais. par mois. Mm. Et au-delà de 60 ans, je gagne 65 ans. 65 ans, je gagne 2 000. 2 000. Mm. Je dis qu'il y a à peu près 130 à 140 c'est bon vieux Jimoun là, qui n'a pas gagner sa seconde tranche oui. de 1000 là. Mais comment on trouve ça, vous, vous, ça Bon, encore une fois, vous connaissez le, le grand problème qu'il est ministre, il fait face. Le fait qu'il refuse d'un Jimoun en fonction de sa capacité. Nous trouvons nous, dans une situation, et Mme, il ça hier, qu'il est possible parmi ces bon qui a 65 ans là, et un djimoun qui est très riche, mais je gagner 2000, mm. et puis un djimoun qui a 60 à 65 ans. Je qui sont qui méritaient, je vais gagner 10 000. Mais là, nous revenons au débat, aussi, se Mais De toute façon, il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix parce que sinon, il y a une situation qui est injuste. Alors, ça, c'est le second mesure. Le troisième mesure, bien sûr, c'est l'indonne bande subside, ou bien l'indonne maintenir bande subside, subsidi, l'eau du maison, le gaz ménager, la farine, le d'iris. Il met de l'eau dilée. Et ça pour coûter à peu près 4,2 milliards. Moi, je vais faire ressortir. Ça, 4,2 milliards, pas sortir d'un budget. Ça, millions milliards, peut financer automatiquement par STC à travers une taxe qui mettait l'eau, le produit pétrolier. C'est-à-dire diesel et l'essence. Alors ça, c'est bon, Dieu. C'est pour ça que tu as prévu le de prix carburant Il fait un arbitrage, il fait un choix. Il fait un choix. mon argument, c'est qu'il a fait tous les détails. Il fait un choix. Ah, ce choix, Klindia, on a, a 4,2 milliards, mais qui faire Est-ce qu'il fait la bouche d'eau une quantité de monde pour le pain maison, le gaz ménager, le diri, de la farine, ou bien me baisse un petit taxe pour le, pour le produit pétrolier? Il fait ce choix. Et alors, voilà. Maintenant, il a aussi fait les autres, prend les autres décisions pour être juste vis-à-vis euh, du ministre. Il enlève la taxe municipale hein, pour vous mettre un peu casse. Dans le poste gens qui restent euh, dans la ville. La ils ville. aussi ban le social-élevé, pas plus l'inflation. Et après, évidemment, ils fait la réduction hein, des taxes ils crée un nouveau barème. Et y a une anomalie là-dedans. Je vais vous faire euh, ressortir ça ils ont pensé ça C'est-à-dire ce qu on qu'il ont in introduit un nouveau taux intermédiaire en 17-15, qui est de 12,5. Ouais. Ouais. Et après, ils ont augmenté ben, ce qu'ils appelle un ben allowance

qui tousse à peu près 20 000 rupies par mois. Oui. Je qui... consacre le sapatolem. Bien sûr, bien sûr. que je m'explique ça très bien, Banji Moun comprend. La Banque centrale peut dire qu'il y a une inflation 8,5. Mais là, moyens, ça, 8,5, là, il y a moyenne, ça. Il y a un client qui voyageait dans l'avion. Mais c'est un pauvre qui a 20 000 rupies, là, c'est pour voyager tous les jours dans l'avion. Il y a un client qui n'a pas le tout. Pourquoi le banjo a le tout, ça fait Il ne peut pas manger. Il faut que pour savoir Banji Moun, là. L'inflation, c'est ce nous appellent en anglais food inflation and food-related inflation, il y a à peu près 20% à Waz. Vous voyez? On à 11%. Non non non, parce bah, que food inflation, food inflation, nous peut causer là. Vous connaisz? Il y a différentes façons qu'elle les Là, nous peut causer food inflation. Vous supermarché, oui. oh. mm. mm. alimentation. Et, Et du bon qui nous connaît. Un Zimbabwe qui gagne jusqu'à 25 000 roupies par mois ou une une, une couple, 80% de son salaire, elle dans mangé. Boire et food related items. cest à dire sur l'inflation, par 8%, comme on dit, qui ne gagne pas 100 000 rupies. L'inflation lit beaucoup, beaucoup, beaucoup plus élevé. Maintenant, tu pensez un voucher. Moi, je pensais que tu n'as pas de ça universelle. Tu faisais soit un income support de 2 000 rupies par mois. Maintenant, si tu as envie, tu fais ça si c'est pour des ans, fair enough. Ou bien, tu faisais un food voucher, l'équivalent de 2 000. Ça, moi, vraiment, je qui le ministre Padéati fait ça. Surtout, il y a Stiglitz, il Goné pour le peuple, avec le peuple. Ce Bandjimoun là, mon pensée, tu as une considération spéciale. Ou D'ailleurs, il même les faits. Quand il donne une compensation salariale, il donne Bandjimoun au bas de l'échelle, plus qu'il y en haut. Alors, il est capable de faire des efforts plus de 100 000 rupis là, pour Bandjimoun qui gagne jusqu'à 25 000. C'est-à-dire ça, il qui gagne jusqu'à 25 000 rupis, il donne 2 000, et au-delà, il donne 1 000. Parce que, le degré par lequel le pouvoir d'achat baissé, il a affecté beaucoup plus Benjamin qui est au socialiste, mais il a aussi affecté sa 100 000. Je ne sais pas pourquoi 100 000, il fallait 110, puisqu'il a 90. Mon pensier, qu'il a fait un effort pour ça, Benjamin. Le problème, mon pensier, il a fait un effort. Il a montré un petit kit, ce qu'il appelle empathie, avec Benjamin qui est dans l'auto, quand il se fait un taxi, on te l'a et, et, et mon pensée, ce qu'il a fait des efforts au moins de 10 le prix de l'essence. Parce que le prix de l'essence a augmenté aussi à cause d'une dépréciation accélérée de la roupie. Mmh. Et quand le prix de l'essence a augmenté, il y a un effet cascade, le beaucoup de affaires qui augmente euh, l'inflation. Et troisième, il a augmenté par 46 le six mois. Alors, mon pensée est capable de faire des efforts. Après, il n'y a pas été. Je suis capable de baisser par 10 Mon pensée est capable de baisser par 10 Nous me posons la question au ministre Padéati, qui fait au pas d'esprit l'essence. Le il dit est je suis capable de faire ça Si je suis capable faire peut-être que je suis sacrifier les autres mesures sociales, par exemple une mesure en faveur des handicapés. C'est ah, vrai. Pas ah, vrai parce qu'il y en a 40 millions. dans vous là. Il y en a 40 millions dans ce so Watchers qui est bien utilisé. Qui l'a. Ouais. Et qui n'est pas voulu utiliser. Euh, mon joli, très franc. Impossible pour le ministre Obigadou Construire 12 000 lacages en deux ans. Oh, il y en a quatre là-bas qu'il ne peut pas utiliser. Impossible pour le ministre qui est responsable de REN, un flat management, dépense 12 milliards roupie rupies le deux ans. Sans annuler, supposé dépense 4 milliards, je n'ai pas dépensé 100 millions de ouais. so, ouais. Bon, Il fait son choix. Il fait pas choix. Ouais. Mais supposé, il a envie de garder un peu à pour le ben, prochain budget. Le, le, le grand problème qu'il m'a pensé, le ministre, pour faire face, c'est que beaucoup de nos compatriotes qui gagnent gagné ça, trois là, pensaient que c'est une compensation pour l'érosion du pouvoir d'achat qui nous est déjà arrivé. Or, l'inflation, d'après moi, risquait d'être plus que 8,5. Mm. Est-ce que vous expliquez ce qu'il faut faire D'abord, dans mon pays européen, parce que beaucoup de nos gens, c'est l'inflation importée. Mm -hmm. Dans mon pays européen, on peut serrer un peu, le taux d'intérêt peut augmenter. L'Europe, il a annoncé qu'il augmente le taux d'intérêt. 2 de dollars deviennent plus chers. Et les banques qui me dit à la population, quand la Banque de Maurice s'est intervenue un mois de cela, tu mets 200 millions de dollars le marché, roupie tu baisses, tu vins 42,5. Là, je fait fais le Les 44,7. Mm. On les un mois. Il y a dépréciation roupie pour continuer. L'inflation importée pour continuer. Ben supply Chain Disruption pour continuer. frais pour continuer à augmenter. Et... Si le prix continue à augmenter, mais pour la pression encore pour nous compenser, ça va Donc, il n'y a pas de 000 euros, non, Mais mais euros. Mais, 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 mais le ministre des Finances dit, hein, dans son prévision, il pensait que l'inflation ne de baisser. Il a une alors, alors, baisser, euh, alors, de 8,6%. Ouais. Euh, sans, sans être méchant hein, avec le ministre, hmm. combien de prévisions le ministre des Finances a réalisées L'année la dernière, l'inflation était 4%. Oh, l'inflation, 8,5%. L'année dernière, l'ICIGNOGOUSAL de ouais. so, de est ,9. Dernière, il nous ça, pour faire 8,9% de croissance. Ce de croissance de 6,9%. L'année dernière, l'ICIGNOGOUSAL est pour 650 000 touristes jusqu'à le 30 juin. Là, on fait ce chiffre-là. Pour, pour le 6 premiers mois de l'année, nous avons à peu près 312 000 touristes. Si on, on ajoute ça avec le six derniers mois de l'année prochaine, maximum qu'ils vont gagné, d'après mes estimation, 540 000 touristes pour l'année financière, au lieu de 650. Mmh. Tout ce man tout ce man, tout ce man focus. Une, une focus 1,4 millions de touristes dans durant l'année financière. C'est qu ce que je vous donner un exemple On connaît bien simple, ça, hein? on connaît un concept que euh, beaucoup de monde euh, pensent qu'il ne n'est pas crédible. L'ossofocus. Je hein? vais donner un exemple. Ça, l'année-là, janvier à décembre, il peut dire qu'il nous a gagné 1 million. Moi, je pense qu'il nous a 800 000, 850 000. Nous faisons 6 points l'année, là, oui. Pour gagner 1 million, on divise par 12, il faut avoir 83 000. Faites, en moyenne, nous avons gagné 83 000, mais ce n'est que 83 000, là, il y a un mois qui n'est pas très bon, on gagne 65 et un mois qui est bon, on gagne plus. 6 points il me passe. 6 points il me passe. Pendant un seul mois, pourquoi un seul mois, avril, quand nous gagnons plus de 80 000 Nous gagnons plus de 80 000. C'est-à-dire, il faut décembre, novembre et octobre, nous gagnons au moins 125 000 touristes par mois pour arriver à un million. Parce qu'il est possible maintenant, pour les touristes venir. Nous ne peut pas le débat au même mais quand même, quand nous causons avec les opérateurs, les stakeholders, nous disons quand même, l'industrie peut pick-up, mais personne ne peut pick-up. Mais il y a une différence entre 800 000, qui est une augmentation l'année dernière, et 1 million. Et nous, get qu'est-ce que c'est Moi, résiste ce mois là. La dernière trois mois, c'est ce qu'on appelle shoulder. Nous avons un retard de à peu près 20 fois 6. Nous avons un retard de 120 000 là. C'est bon. Vous dites, vous venez. Mais bien, nous avons place à Le plus grand contrat qu'il nous a aujourd'hui, suffisamment d'air-sides pour nous capables gagner 1 million. Du monde qui fait la Russie. ça c'est C'est maintenant qu'il y a mais, et un Mauritius il peut à peu près 55% de l'aumône touriste. Mais pas de remplacer ça. Mm. Et maintenant, le gouvernement a des choses difficiles. Oui, Ob Obigadou, vous avez vu ça Ouvert dans tout le monde. Mm. Maintenant, c'est tout le monde qui est responsable d'un Mauritius là. Le budget suédois si ouvert ça, nous plutôt y aller à Mauritius. C'est mm. mm. pour une intention. Pour mm. moi, il est qu'il y a une intention entre le ministre Obigadou et qu'il faut un du monde qui est responsable et La Mauritius. Mm. Et donc, ça, c'est pas clair. Vous qu ce que peut faire la voiture en dire, hein, je vous donne des vols. Alors, il y a, des, il y a, contraintes. Il y a une troisième contrainte qui m'ont pensé, nous tout peut négliger. Tout bon économiste dans le monde peut dire qu'il y a un risque de stagflation. Qu'on appelle stagflation, la croissance va être basse dans beaucoup de pays et l'inflation pour élever. Mm. Et quand ça arrive, il y a des phénomènes. Ce qu'un économiste appelle un wealth effect. Je vais vous donner l'exemple. Tous les monde qui suivent là, eh ben, il ben, dit un risque de voyager. Je l'adore. Mon action qui était là, il ne baissait pas 40%. Je suis pauvre. Second, quand le prix augmenté, le zot... purchasing power baissé. Alors, je zot... a diminuer aussi la fréquence avec laquelle je voyageais, qui zot... me risque affecté. Alors, nous avons un problème de demande qui est affecté parce qu'il y a un risque de récession dans certains pays à cause d'un wealth effect et après, nous avons un risque. Qui pendant à ces avions. À cause de tout ce monde focus, se focus sur l'inflation, pas bon. Se focus sur la croissance, pas bon. Se focus sur le tourisme, pas bon. Se focus sur l'external le trade, pas bon. Tout le monde connaît qu'il nous pourrait un déficit plus élevé dans nos balances commerciales, ça en est là. Il est pas de nous D'accord. 17h30, nous pourrions reprendre après la pub. La pub, après la pub, nous pourrions surtout le comment pour financer cette mesure sociale, sa trois principales mesures qui nous ne fait que mentionner, qui ramasse à qui est mentionnée, qui coûte à peu près 15 milliards d'euros. Comment pour financer ça, nous pourrions Lola après la pub. <music> Of Mauritius vous offre un cadre d'apprentissage où rigueur et qualité sont les maîtres mots. Choisissez le programme d'études qui vous convient et inscrivez-vous en ligne dès aujourd'hui. To you, what is compliance? It's challenging. Regulations keep changing. Compliance audit? Always a tense period for our team. Being compliant is part of our corporate image. This is why people trust us. Professional support and training would be of great help. Talk to Rockfin, your trusted compliance specialist for a complete range of tailor compliance solutions. Visit our website at rockfin.mu and find out more about our services. Rooted in Mauritius, expanding to new lands. Our boutique management firm serves entities and individuals worldwide for the sustainable growth of their assets. Nurturing relationships cast in trust, we've cultivated a remarkable clientele. A network of international partners and providers, all specialists in their fields. Our dynamic teams generate ingenious solutions adapted to clients' profiles. to maximise yields for rewarding harvests juris tax let's grow together Docteur Rama Sitanen, ancien ministre des Finances, qui peut dégoter le budget 2022-2023. Alors la question qui beaucoup de monde peut poser euh, comment le ministre des Finances pour euh, finance sa chapelet de mesures euh, populaires sociales qu'il y finit prend Donc les trois principales mesures augmentation euh, pension vieillesse euh, euh, donne euh, 1000 roupies, euh, donc à 350 000 employés notamment. Donc tout ça va être une mesure là, il coûte à peu près 15 milliards de roupies. Donc, Ramasitanen, la question c'est que tu peux tirer à sa casse-là. Là, nous trouvons qu'il y quand même une à sa disposition Consolidated de Il des special funds. Il paraît d'un montant de 36 milliards d'euros, vous confirmez-nous. 36 ou 38 milliards. 40. Et 40 milliards. Et en plus, il dispose de certains joyaux de l'État d'un valeur de 22 milliards d'euros. Il paraît que le ministre des Finances casse. Allô? Évidemment, le ministre des Finances, comme un politicien, il ne sait vendre le budget avant le budget. Il dit comme ça qu'il y a une marge de manœuvre très étroite. Bon. Si vous avez une consolidation de fonds, une marge de manœuvre étroite. Mais il transfère beaucoup de casse depuis la consolidation de fonds pour aller dans les autres fonds. Il mmh. mmh. fait ça à Comme ça, On appelle ça une navette fiscale. Une navette fiscale. Alors, comment il peut financer ça Première affaire qu'il peut faire, l'IP augmente les recette fiscale, c'est-à-dire le TVA, taxes à l'OBAN et taxes de société. Et augmente ça pour à peu près 27 milliards de roupies. Mais d'appliquer à quantité de casse-là, l'IMFE, taux de croissance, vient de 8,5. Vous voyez, tout le temps, plus taux de croissance élevé, plus consommation augmentée, plus taxes rentrée Au mm. oh, mise des Finances... Le débit de ce qu'il me présentait, Zami inactive ce focus de croissance. Jamais. Donc 8,5 classé pas pour Impossible, Impossible. Impossible d'apprendre. C'est ce qui peut arriver au niveau international. Il faut déjà où mm. Après, il faut que comprenne. Ça, l'année là, il me fait 6,9 parce qu'il a base si bas. la a un lien, si négatif. Oui. Il me dit. Mais quand base bas, négatif, est-ce que je peux expliquer ça, Mandjimoun Nous, tu sens. Nous ne baissions pas 15% d'après le ministre Padéati. Nous sommes 85, nous sommes 100 là. Maintenant 85, mais plus facile de monter où tu es 110. Ouais. Alors, il reste monté la première année qu'il a commis, c'est 4%. Mais a nous 7%. 4%. Maintenant qu'il nous gagne 100 années là, nous avons 6,9%. Mais base est plus élevé. Mmh. Et ça, n'est pas mmh. correct. Le ministre vient qui dire qu'il arrive arriver au niveau GDP. 2019. Mais ça n'est pas vrai. Hum. Parce que personne ne compte GDP en termes nominaux. Ouais. C'est en 2024 ou 2025 qu'il nous arrive, même niveau en termes constant ouais, il y, a en, il y a 520 milliards en, en 2022. Mais on pas compter comme ça. Hum. N'importe qui économiste peut dire, c'est Nous ne baissons pas 15% en 2020. 15%. Nous ne monterons pas 4% en 2021. Et nous pouvons augmenter par 6 Mais comment il y a les carvins 15 retirer 4, retirer 6, non encore négatif. C'est comme ça qui causait. Les L'indice cause le roupie déprécié apparaît okay. comment dans certains secteurs dans une France, je ne fais bien en termes de volume, mais quand quantité te croissance que nous gagnons dans une France, c'est euh, euh, un pays le roupie déprécié. D'accord. Nous reviendrons sur même fond là pour financer ça le premier non premier Augmente le taux de croissance, les lac pendeillent le taux de croissance. Tout monde recette a augmenté. Et on dit là, nous donnons c'est l'exemple, hein? taxe sur le véhicule. Nous ja, vous ça, ça pour à tâlèi. Taxe sur le véhicule, il se prévoit pour un 4,2 milliards roupies cette année D'après ce chiffre, le vous c'est 2,8. il a baissé pas 40%. C'est-à-dire véhicule comment? Vécile, à taxe. La... taxe. taxe Excise exact... duty. Tax. Nouvelle voiture. Non, non, tout tout Nous. le monde oui. Même à cause du 2 mai, je si paye taxe. taxes. Oui. Et il y a taxe que vous payez, c'est ça, Exa duty, qui vous payez le bonne voiture, qui est neuve, oui. qui il est le 2 mai. Alors, l'Ottigen, il pourrait gagner 4,2 milliards de dollars. L'Ingenzis, 2,8. Maintenant, il a annoncé, il a payé taxe hybride. Il a taxe l'eau euh, électrique. Le électrique. électrique. D'accord mmh. Je pensais que ce taxe pour rester parce qu'il ne pourrait plus débriger. Il a augmenté, il fait 24 milliards. Il a baissé pour 40%. Maintenant, il peut annoncer qu'il investisse sur une bon voiture hybride et qu'il fait l'investisseur sur la voiture hybride avec le voiture électrique pour qu'il de atteindre ce target d'émissions de, de CO2. Mmh. Mmh. Oui. Il y a e qui ben, dit, bon, que "vous qui passe plus sur cette là et pas pour un casque. Il montre ça. Alors, on trouve des trois places qui fait ça, qui il augmente artificiellement le ben, revenu et quand on augmente le ben, revenu, évidemment, on ça. Ça, c'est le premier. seconde affaire qu'il faire, évidemment, ce qui y a faire pendant longtemps, augmente la dette. C'est-à-dire hum? que si on a un déficit de à peu près 5%, 5% fait à peu près 25 milliards. Et ce y fait une partie qui de prend la dette locale et une partie qui de prend la dette étrangère. Ça fait pour financer. C'est pour ça que pendant quelques années, a dette publique, qui ajouté des dettes gouvernement et dette dettes dans par cooparitatique, a il Maintenant, si vous ajoutez une dette qui est dans un SPV, pour finances météorologie, pour finance, métrologie, pour finance euh, comment ça s'appelle, stade à, à Verdun, Côte d'Or, il arrive 100%. Mais là, on est pour dire. Le ministre, il ne fait affaire. Cette année là il vend 5 milliards à 13 milliards de roupies, il y a 49% de euh, AirPods de Mauritius. Il peut vendre un bijou de l'État, d'accord, pour financer ce déficit. Ben, c'est le coup qu'à vendre ça. Mm. Et ce qu'on a fait avec Inedli, alors ça, il baisse sa de dette. Parce lieu j'y prends 13 millions de dettes supplémentaires, il ne baisse sa de dette pas 13 millions. L'autre affaire qu'il a fait, on connaît qu'il de dette par rapport à PIB, calculer le valeur monétaire de PIB. Nous, PIB, dans les prochaines années là, pour augmenter par 30%. Alors si on prend un chiffre constant ou divise par un chiffre qui peut augmenter par 30%, ce dette est Voilà des raisons qui font dette de ratio imbaissé. Un, il peut prendre casse, il peut vendre un bijou de l'État. Et après, second, valeur nominale de nos PIB, une sortie 450, pas 460, pour venir 575, ça peut baisser. Alors, ça, c'est la seconde façon qu'il peut financer ce déficit. Et c'est ça qui maudit ce péquité. Mm. Si dette-là est trop élevé par rapport à un même pays qui paraît comme nous, c'est qui est le pire, de là, il va dégrader tout. Troisième affaire qui fait, il peut faire ça, ça en est là, et ça c'est moi tout ça, c'est qui est injuste vis-à-vis euh, -vis du ministre. Il est capable de dire à la population, mais voilà, I'm going to finance the budget deficit by disposing de 20 milliards d'assets. Il faut nous lire pour a trouvé qu'ils pouvaient vendre 22 milliards de bijoux de l'État. Mais ça n'est pas je sais, nous. Il C'est facile de vendre ça pour gagner l'accueil. Mais ça dépend. Le ministre de l'Intérieur a dit qu'ils pouvaient vendre Mobank avec NIC. NIC ouais. impossible pour Mobank et NIC de vendre des milliards. Ça vous donne ça. Oui, parmi. Ouais. Oui, parmi. Mais vous avez marqué qui vous vendent. Maintenant, il y a une contradiction là-dedans. Plus une compagnie se valait élevée, plus vous pouvez dénier la population accès à ça. Mon recherche télécom, elle a beaucoup valé. State bank, il a beaucoup valé. Le pot stratégique. Vous voyez là. Alors maintenant, mon que c'est un devoir de transparence pour venir dire voilà, qui m'a vendu, qui pourcentage m'a vendu, qui rôle de l'État a être, à qui m'a vendu ça et qui valuation a été. Alors, moi, donnez là, moi, je vais vous donner un exemple. Ça, pour moi, il va a pas vendre ça. Dans sa là Rapidement, avoir rapidement. Il va a pas vendre ça. Pour vous faire une évaluation, alors, est-ce qu'il peut faire une financial engineering mm. Et là, là, il faut ou bien il va de prendre dette pour le remplacer jusqu'à est Alors ça, c'est le troisième d'affaires qu'il va faire. Bon, il peut gagner à peu près 10 millions avec le CSG. Ouais. Bon, ça c'est un grand débat. Est-ce qu'il est qu a servi de qu'un CSG pour financer 100 000 roupies par mois Oui, qu parce que là, le CSG, quand même, de donne de marge de manœuvre, d'une cause, ça va être folant, mais dans le CSG, ça peut permettre d'un un allowance à des gens qui souffrent d'un handicap entre 40 et 59 ce qui n'était pas le cas auparavant, et ça 000 roupies à 355 ouais, Mais ce n'est pas l'intention. On ne parle pas du monde actuel à pas l'intention de CRG. Ouais. L'intention de CRG, c'est finance, pension, vieillesse ouais. pour nos compatriotes qui ont plus de 65 ouais. Et quand le gouvernement te promis 13, 13 000 et là, il a, Il va prendre la casse. Il va prendre la casse pour, pour payer ban vieil 13 000 Les Les cousins puissent dépit, ça va de fond, il ont des un là. impossible. Et il peut bande de dépenses et il est difficile pour les capables de financer ça. Maintenant, l'autre question, c'est la soutenabilité de nos pensions pendant longtemps. Oui. Alors, là, il est être un CSG. Après, le dernier, évidemment, trick' truc qu'il faire, c'est qu'il utilise les bougies en consolidés de fun et aussi ce qu'on appelle band special fun. Maintenant, est-ce que est tout biffer à c'est un peu un truc de métier que tout ministre des Finances a Ça met fonds là aussi, ou tu à l'audition. Bonne Bon, fonds spéciaux, tout pas loin. Tout ministre des Finances a vu ça. Avant lui, le ministre des Finances c'était Pravin-Jagnat. Trois fois Pravin-Jagnat, et est ministre des Finances. Avant Pravin-Jagnat, c'était son papa, qui était intérim, avant qu'il ne soit ministre de la Avant lui, c'était Xavier Dival. Avant Xavier Dival, c'était Pravin-Jagnat encore. <athan> avant Pravin-Jagnat, c'était moi. Ouais. C'est une différence qu'il y en a. Et ce mondial, il y a trois grandes différences. Mais il n'y a aucun de ces mains là Qui est le premier ministre existant Pravi Jagnat, Ou Zavedival, au moins, tu gagne 60 milliards la puis, de roupies avec la Banque de Maurice. Personne ne gagne 18 milliards depuis SAF. Mm. Personne ne servi. CAS qui MIC pour faire ça. C'est bon. Ils servent ça pour faire n'importe quoi. Je vais donner un exemple. Le web support première année, les finances ont été dans le Conseil des têtes fun. Quand ils trouvé ça pour créer des problèmes, là l'année dernière, ils ont été le MTPA, dans n'importe quel budget qu'il soit présenté, qu'il est le Président de la République, qu'il soit le ministre de l'Intérieur, est toujours sous le ministre de titel, qui est le ministre des Tourisme. Côté, pena, il n'est pas là-bas, il mm. est de côté. Troisième affaire que je dire, et c'est ça le point, évidemment, les ministres pour répondre, et bonne guerre ça, ils peuvent critiquer, ils peuvent attaquer. Moi, ce que j'ai essayé de prouver, c'est qui? Quand le ministre dit il y a fiscal space, ce n'est pas vrai. Il y a fiscal space. Et réseau réseau qui fait que c'est la première fois dans l'histoire de Maurice. Il n'a a pas de malchance aussi. Hein la première fois, il est venu le ministre. La première année, il y a Covid. La seconde année, il y a la guerre. Et la troisième année, il fallait bouger l'inflation. Il le a qui? Il y Mais c'est moi. Il li a une situation qu'on demande de la population pour rester le pouvoir d'achat, tellement fort, d'un côté, et second, il y en a 40 millions, c'est 36 plus 4. Il fait transférer 4 là. 40 millions, et les papiers dépensent 15 millions. Ça, c'est 4,5 milliards de subventions là, passe aussi dans le budget. Mais il y en a 10 millions. C'est Il y en a 10 millions. ça 40 millions qui est là, c'est 4 l'année. Il va financer ça. Maintenant, je vais dire ça. Il va mettre ça, qu'il fait. Il va mettre 10 milliards là-dedans pour le prochain des ans pour qu'on s'est 12 000 la case. Impossible pour qu'on s'est 12 000 la case. Il va mettre 10 milliards pour qu'on s'est grain. Ça, on est là, supposé que dépense 3 milliards. Il dépense 100 millions. au Donc, ça, il va dire il y a une marge de manœuvre. Il va faire des efforts. Et il va c'est le ministre des Finances. Non, quand qu on dit qu'il n'y a pas fait un effort, qui voulait dire dire ça C'est ça, il y en a 40 milliards. Ouais. Et il est bon, les succès, il est bon ça va bien. Il ça. Si vous permettez, dans ma scène, nous reprend tout juste après cette pause pub et vous êtes capable de dire nous quels efforts additionnel. le ministre est capable de faire avec sa 40 milliards qui, d'après vous, il y en a à sa disposition. Bienvenue à Tara, l'amour de cuisiner. Chef You, la plus jeune chef exécutive de l'île, best chef de l'île Maurice et créatrice culinaire, elle est accompagnée de son amie Sneha, mannequin et run-up au concours Miss Mauritius. Nous propose une recette végétarienne, des tomates farcies aux champignons et aux épinards. Pour réaliser ces tomates farcies, vous aurez besoin de 6 tomates, 2 cuillères à soupe de Tara Olive, 300 grammes de champignons de Paris, 2 à 3 poignées d'épinards cuits, un petit oignon finement haché, 150 grammes de feta émietté et du persil. Top départ, chef You et Sneha, régalez-nous! A euh, mes côtés aujourd'hui, j'ai Sneha pour la recette. Je vais débuter par euh, découper un petit chapeau sur mes tomates. Et voilà, tu vas m'aider. Ok, là Vas-y, vas vas va. Oui, vas-y. Voilà. Une petite entaille juste pour euh, enlever les pépins. Et à l'aide d'une cuillère. On le tout. Voilà. Ok. Allez, hop, c'est bon. On va mettre un peu de sel à l'intérieur pour laisser dégorger les tomates. Et là, on va débuter notre cuisson pour notre sauce. Euh, je vais utiliser du Tara Olive pour débuter ma cuisson. Et voilà. Et pourquoi tu utilises Tara Olive spread Et ça va ramener ce petit goût euh, noisette à notre oui, recette. Ça, sort, ça sent super bon déjà. <laughs> Allez, tu vas prendre les oignons. Tu, tu ajoutes la euh, ouais, moitié tout? de ça La moitié, dans moitié. Que suffisant, hein. bon. Là, on va laisser dorer un petit peu. Tara olive, il n'y a pas juste la tenue pendant la cuisson, il y a aussi ce mariage parfum. Hein. Je vais rajouter un peu de champignons. Paris. On rajoute maintenant euh, les épinards. Ouais. Voilà. voilà. On va saler. Et là notre euh, face est presque prête. Mm -hmm. On va juste rajouter un peu de feta. Je <laughs> vais venir dessus. Voilà, ici joli. Je vais juste imbiber un petit peu. Voilà. Mettre un peu de face. Et voilà. On passe au four à 180 degrés. Pendant 12 minutes. Et les tomates sont prêtes. Ça sent bon, hein Oui, ça sent super bon. Et voilà, deux pièces. Avec le petit, petit chapeau qui vient là. Un peu de Ok. Et moi, je vais rajouter un peu de fleurs comestibles. Un peu de pousse. Voilà, ça c'est un plat facile à réaliser, avec des produits simples, et qui va épater vos invités. Et voilà, à vendredi prochain pour une nouvelle recette dans Tara, l'amour de cuisiner. Tara spreading the joy of good food. Nous nous plaçons ni devant, ni derrière, ni à votre place, mais à vos côtés pour vous assister dans ces moments douloureux. Nous nous occupons de toutes les démarches administratives, la gestion technique en ce qui concerne le rapatriement d'un défunt vers son pays natal en respectant toutes les traditions et croyances de tout un chacun. Notre équipe sera à vos côtés à chaque instant. 60 ans. À votre service. Valère Undertaker Funeral Services. Notre famille. Pour la vôtre. Hotline 86 24 7. Radio Plus. Au cœur de l'info. La suite. Nous discutons bien sûr de la mesure que le ministre Paderati euh, prend et nous, euh, nous discutons aussi de son financement. Ramassi qui nous l'a invité aujourd'hui, nous qui ministre des Finances a marge de manœuvre, il y a un espace fiscal de 40 milliards de roupies. Alors donc euh, 40 milliards de roupies, on expliquait qui y en ça et, et il a surtout sa special fund. Et, et nous disons que c'est l'argent qu'il prend depuis la banque de Maurice. Et ça aussi, nous ne pouvons pas dire assez. C'est ça, l'enjeu, qui n'a dans sa spéciale finale. Bon, vous connaissez, mon économiste dit que la monnaie est fendable. Il ne faut pas faire distinction entre sa roupie qui sortit de la banque de Maurice là et sa roupie qui sortit de Et place. m'explique moi bien. Et je Benjamin, d'accord? le ministre des Finances, il est ministre en décembre 2019. C'est-à-dire qu'il suite à un budget qui me présentait par le Premier ministre, le Premier ministre Jagna. Et il m'a besoin de dire qu'il n'y a pas beaucoup de cas dans ce de réserve fin là. Le ministre Padayati a décidé de prendre 60 milliards de roupies avec la banque de Maurice. Avant même, il manquait bon comme ça. Là, le ministre Jagna a décidé qu'il a 10... Est-ce que, est que vous avez ça -ce vous avez devant moi? Pendant ce 350 millions de roupies dans le réserve-fonds. Le ministre Padé a décidé pour mettre 11, 11 milliards de roupies avant même qu'il fasse son premier budget. Okay? 11. Léon est venu, ministre, et vous avez ça bien, quand vous avez dans ce budget de l'année dernière. Il exceptional contribution from Bank of Mauritius, 33 dans Recurrent Budget et 27, et 27 dans Capital Budget. Vous pensez que vous avez ça? Mm. Mais, Zissanba, il n'est pas servi. Les transferts, rupis, il transfère 31,7 milliards de rupies, ce depuis la Banque de Mauritius, à Special Fund, et si vous avez avec ça, 12,1 milliards qui me fait à quelques mois après là, il fait 42,8 milliards roupies qu'il transfère depuis sa casse qu'il a la Banque de maurice. pas il ne va nous toujours servir. Pas fini. Hum. C'est l'année qui fait de fini là. Il transfère 11,5 milliards. si on ajoute 12,1 qu'il me fait avant même qu'il présente son budget. 31.7, qu'il est fait l'année dernière, l'année d'avant, et 11.5, il faut 55.5 milliards qui est transféré depuis la Banque centrale. C'est ça qui veut dire que la gens disent, prend 60 milliards avec la Banque centrale. Ou ouais. du moi la moitié, là, il n'y pas servi. Oui, c'est la moitié, 90%, si il ne transfèrent du... pas. pas qu'on me dit, oh? mon économie, dit oh, mon money is Quand cassé, il a de consolidation ouais. de fonds, ou pas que c'était consolidé, il Alors, les Libo qui nous compte ça il transfère ça comme ça. Il n'y a pas de service comme ça. Comment on trouve sa pratique là-haut Une branquasse de 60 millions, ou bien la majorité n'y a pas de service, il, il y a avoué ça de special fund. Est-ce que c'est une pratique correcte ça d'après vous Non, que ça comment on dit là hein? Bon, Tout ministre des Finances, il service ça. Mm. Mais jamais pour that size, that scale et that scope. Tout ministre qui a ce problème-là. ou met un, ou pas performe là, Là, moi j'ai dit gros. Moi, mon argument, ce n'est pas ça. Mon argument, le ministre peut dire, bon, évidemment, il peut critiquer le bannier de Jibon. Mon argument, c'est qu'il faut venir dire ouais, y paie un casse. Il y en a casse. Il y en a un casse. Maintenant, si si c'est un autre débat. Si pas si vous veux faire ça, mais je vais dire, il y en a un seul casse. Non, mais est-ce qu'un ministre des Finances a besoin les mains aussi libres. Il a pensé qu'il a besoin d'une responsabilité fiscale. Pour ça, fiscal là. Là. la Banque mondiale, elle fait une décision. il a besoin d'un seul fonds. Mais beaucoup de ministres des Finances regardent ça. Maintenant, il faut expliquer ça à la population. Si il Pas se mettre ça là-bas. Nous, d'être, il vaut plus bas. Et oui, parce qu'il finance pas déficit, c'est pour moins. L'année ça est là. Le fait qu'il y ait 13 milliards de roupies avec un MIC, qu'il dispose de 41% sur son action, il ne prend beaucoup qu'à se prêter. Parce qu'il y a service à 13 milliards là-même. L'année prochaine, il peut prendre juste 4 milliards de roupies prêtés mm. Pour lui faire ce qu'il appelle un financement de. Ben, nécessité de l'État parce qu'il 22 milliards peuvent sortir il peut vendre il va pas vendre que l'année alors c'est ainsi que c'est mon argument qui maintenant chez le ministre fait ça fait une œuvre ouais. mais lui il n'a les moyens car il vient dire nous ça qui est fiscal room for maneuver is limited bon, mon argument sinon maintenant on va plus loin on va plus loin ça qui vous plaisait il peut garder ça et il a 36 milliards, plus il peut transférer 4 milliards, enfin 40. Vous pouvez trouver un signe de responsabilité, il peut prévoir le pire si jamais il les retrouve en difficulté Non, mais c'est ce qu'il est capable de faire. S'il il met une partie dans le budget consolidé, ce dette-ci peut baisser. Et quand ce dette baisser, quand il y a un problème, à l'avenir, il peut prendre un se prêter pour financer ça. Maintenant, on comprend, tout le ministre des Finances a ce problème-là. Nous même un budget consolidé. Qui est basé d'après le système britannique, on est cash flow basis. Si vous ne dépensez pas ce dépense cas là, à la fin de l'année, vous ne pouvez pas dire ce cas là. Ou déficit baissé. Oui. Je vais vous donner un exemple pour ça. Le ministre des Finances dit nous comme ça, ce déficit, il est bon que vous dites comme ça. Il est 4%. Oui. Vous mmh connaissez les 4% Parce qu'il y a 11,5 milliards le fonds. Si il n'y pas de transfert ça 11,5% fonds là, ce déficit, c'est pour moi ce qu'il est pour ça. Là, ce financement, ça déficit là, c'est pour plus bas. Ouais, mais la question de Djagui, c'est ça casse là, pas qu'à dépenser dépenses libres, Il y a qu'il qui dans sa casse là. Une boîte condamnée. Si. Demain, des, il na, demain, des, il y a problème, il n'est capable avec nous. Non, mais c'est ça le budget là. Mais ouais. qui problème qui plie, il y a gens qui soulage la population, qui est en détresse. Mais voilà. Non, mais non c'est marrant. Il y a, a, a beaucoup de dépenses là, il pas à faire pendant des ans. Ça, me garantit. Mon Dieu, c'est impossible. Ah, mon Steve Obegadou, pas Steve Obegadou, le gouvernement, hein, utilise sa 12 milliards qu'il mettait là-dedans pour faire ça. Il est impossible aussi, faut Flood Water Management pour faire ça. Et ça, on connaît qui va arriver toute l'année là. Le gouvernement, il a un problème, depuis longtemps, il a un problème. Il hein, met de casse pour faire capital budget, mais il met de la capacité pour dépenser. les là, sa casse qui peut dépenser là, il transfère ça ouais. dans. Special Fund. Maintenant, Special Fund, il si, a la capacité pour dépenser. Dit, tous toutes les années, ouais. il peut gêner à plus. Et il peut gêner l'année prochaine aussi. Ouais. Alors, c'est ça mon argument il y en a un buffer de 40 millions. Sa deux mesures-là coûte 10 millions, à peu près. À peu près 10 millions. Des fois, si ce là, il y en a 4 fois. Mm. Il y a juste des ans pour y aller. Donc, ça va, tu as coupé déjà là. Avec Mais tu as fait trois affaires. Nous, les francs. Vraiment, mon pensée, si vous avez fait un effort, c'est tout. Alors, il a une récite Billionary Reputation qui défend Manji Jimun. Hein? Fait neuf. Hein? Et mon pensée, moi, je suis est capable de donner sa 100 000 familles qui sont très affectées. Moi, je gagne jusqu'à 20 000, 25 000 roupies. Je donne soit un income support de 2 000 roupies, on connaît que c'est Manji là, ou bien je donne un voucher, un food voucher, l'équivalent de 2 000, Maintenant, si ne donnent pas donner ça, on une base permanente. L'inflation pour élever pendant des ans, nous donne ça pendant des ans. Ça, c'est premier. Second, vous connaissez, il y a une catégorie du monde, nous avons besoin de ce qui est juste avec les autres. Moi, je comprends les ministres libéral de faire. Il a envie que le poids financier des pensionnés entre 60 et 65 ans baisse à l'avenir. Mm. Mais c'est bon, il y a des gens entre 60 et 65 ans qui sont pauvres. Donc, il y a une disparité là. Une il y a des gens qui, entre 65 ans, qui sont riches. Maintenant, nous peut donner à riche 2 000 rupies. Si on coupe, on gagne 4 000 rupies. Par contre, c'est des Moun qui se sent là, qui est la seule source de revenus. C'est ça Il peut gagner 10 000 rupies. Alors, vous pensez que vous avez fait un effort pour Banji qui seulement est seulement votre source de income. C'est pension vieillesse. Et c'est Banji là qui a gagner... 10 000 Il a un gros travail administratif. Oui, mais tout pays fait ça, mon mm. frère. L'Espagne fait ça. La Grèce fait ça. L'Angleterre fait ça. Et nous avons des databases. Nous avons un database. Donc, so, tu ne peux pas faire ça. Parce que vous bon, pensez vraiment que c'est un qui est là, 60 ans là, d'accord et, et à moi, je te que ça fout de la là, il résout le problème là. Mm. Ou bien je te que ça débile au là. Et troisième, vous bon, pensez que vous avez fait un, faux, le prix de ben, produits pétroliers. Ouais. Voilà, voilà les trois. 10% de baisse. 10%, 10 fait dire que les annule sa dernière augmentation qui est là. Et ces trois-là ensemble, pas beaucoup de sa quantité là, par rapport à 40 milliards roupies qui, mm. ben, qui est dans 29. Et je me gêne à faire. L'infini finance pour l'année prochaine le 1000 roupies, il a ce budget 4.2 milliards. L'infini finance le 1000 roupies pour ban Dimun qui ont 60 ans et Ben 65 ans, il est dans le budget ministère de la sécurité sociale. Je suis my point. Ouais. Mm -hmm. Et le 4.5 milliards roupies de subventions

des gens qui peuvent payer l'essence, peuvent paye le diesel là. Ils peuvent payer l'augmentation du prix CIF, ils peuvent payer l'augmentation du prix frais, ils peuvent augmenter l'augmentation du TVA parce que le TVA est à 15% de l'eau là. Mais au moins, tu ne peux pas retourner ça. Mm. Tu ne peux pas retourner ça. D'accord. C'est so, pour ça qu'ils m'ont dit à moi qu'il y en a. Et, et, et bien sûr, je euh, comprends, compris. Ils ont essayé de garder Regarde ce World Chess. Ouais. Plus tard. Mm. Mais, mon pensée, maintenant, qu'il y a une demande urgente. Qui ne peut pas être quand Javid le si ministre des Finances. Qui ne peut quand Mola Qui ne quand même premier ministre si ministre des Finances. Il y a genre, comment était mm. ben un changement comme on l'était aujourd'hui. Quand Jimoun peut avoir des difficultés, Jimoun peut avoir un repas par jour. D'accord. Quand ben, les enfants peuvent souffrir. Alors, à quoi ça, mon pensée, moi, on est compassionné de Bézis Vu qu'il y a une le pacte de 40 milliards, et, et ça, un n'a pas beaucoup de dépôts, 1 milliard, le tel a beaucoup de dépôts, 500, 600, et à faire efforts, et il still, et non, et, uh, and, and watches. Watches, y a quand même des défauts, et les styles en ont un watchess, mais ce watchess n'est pas du tout full ce watchess c'est du Voilà, donc c'est la fin de cette première partie de cet entretien-là, une première partie consacrée euh, exclusivement à la question du pouvoir d'achat. Ramar Sitanen finit de démontrer qu'il ministre des Finances est a actuellement une marge de manœuvre de 40 milliards d'euros. Et il euh, pensait qu'il était capable de faire mieux. Il a fait une, euh, une révision avec sa proposition pour donner 2 euh, 000 roupies income support à Benjamin qui gagne jusqu'à 25 000 roupies euh, la paye Et il euh, a aussi qu'il minimise des finances la marge de manœuvre pour baisser essence le prix de l'essence et du diesel par 10 Donc, dans la deuxième partie de nos interviews, nous pouvons regarder euh, ben les autres axes du budget. Du budget. Est-ce qui c'est un budget qui peut permettre la relance économique, la croissance et nous pourrions bien les autres volets comme la sécurité alimentaire, la transition énergétique entre autres. Donc nous reprends l'entretien de Sitanen après la synthèse de l'info.

synthèse de l'info. L'info. Elodie, bonsoir. Bonsoir Nawaz, bonsoir Tudi Moon, toujours travail, dit pour assister sécurité population. et population. Première réaction constable Gopalène Morgan après sa remise en liberté conditionnelle, sa dit, sa policier là qui était dans Anti-Robbery Squad avant, fin arrêté lundi dernier après déposition d'IPAC Joule qui fin acquis des tortillas. Gopalène Mourgen, dit qu'il est déçu après traitement, qu'il fin à gagner un écoutons écoute au micro chez Adjaloo

c'est désormais Independent Police Complaints Commission qui peut prendre le relais dans l'enquête pour au ban détenu par CIA rose et ex-ante Robri Squad. Et Central CID fin, finit transfert de transférer sa dossier-là à IPCC. Et depuis mardi dernier, un ben, policier qui a acquis dans sa caisse-là pour interroger par ban enquêteur à son instant là dans un ben, procès-zoul et que la dossier-là pour transmettre à DPP avec une ben, recommandation chez Adjado. Depuis mardi, c'est IPCC qui peut faire sa l'enquête l'auto Tiala, Depuis il n'arrête quatre policiers qui étaient à Éditer Rose et des anciens anti robri squad. D'après la police Sac dossier qui concerne brutalité policière à l'IPCC automatique. Dans sa case la police il y une fait état préliminaire après routine avoili IPCC. a enquêter IPCC qui pourbière Éditer Rose CSP et témoin quand je de finis de bien faire bonne recommandation DPP et commissaire de police. Zo di gram pas. nous objecté pour qu'il loge constable Gopaln Mugen et Bimel Luchman le cochon et semaine prochaine, je peux bien dire ce qu'il est capable d'inspecter à Di Routuni c'est Henri Deuil constable Gokul et Porgas le cochon je de pirepon à une sauce totir devant la coupe en Plemousse. Navin Ramgoulam, bien catégorique, Bidirengalandène Padaya Chipa pour établir pouvoir d'Assaban Mauritien, leader parti travail CP aussi acquis et gouvernement qui lui finit cause Alors, la santé financière pays, une conférence de presse aujourd'hui, l'ancien premier ministre fin promet l'introduction à la loi, la responsabilité fiscale, s'il y a pouvoir pour qu'aucun gouvernement pas mène le pays à la faillite. Navin Ramgoulam fin aussi dire qu'il y a envie d'un plus de détails, au ban intention gouvernement, pour ce ban actif, terrain de Décision pour donner 1000 roupies, pas pour régler vrai problème qui Mauricien peut gagner, d'après Navin Ramgoulam. 4 en poudre, octobre 2014, c'est 179 roupies. Je vous 224 rupies. Gros poids, c'est 22 rupies, 41 roupies 95. <coughs> ça veut dire ça, 1000 roupies là, qui est de nous là

Pays, Namiramgolam dit qu'il est pour introduire dans la loi la responsabilité fiscale si divino pouvoir. Nous pouvons besoin un fiscal responsibility act plus important que jamais. Qui fait un mot pour dire ça Nous avons besoin faire cire qu'aucun gouvernement pas peut faire ce que qu'il peut faire là, parce qu'il est capable de contrôler et supervise dépenses publiques. Pas qu'un gouvernement fait ce que les faire ce qu'il peut faire. C'est trop, trop dangereux ça. Vous dire la motion, si vous allez dire nous pouvons comme au Zimbabwe, nous pouvons comme au Sri Lanka. L'ancien Premier ministre paie également en rude détail les 20 milliards de roupies que le gouvernement peut gagner avec la vente de ce ban actif. Peut il peut vendre encore des bisous de là. Mais il n'y pas cool no no de bisous. Il n'y a pour collecter 20 milliards. Il y a dans un spécial, qui encore là. Mais qui est-ce qui coûte là dans ce moment de vendre Qui peut des décider un prix pour vendre là Par contre, tout peut faire dans l'opacité. C'est dans l'opacité, vous connaissez qui peut arriver par ailleurs. Tout ce là. c'est bien discuter dans le Parlement. Mon camarade député, c'est bien connu. Qui peut vendre, qui manière, qui prix Mais tout ça, il peut mettre ça en déobjet, lui.

Et que des hauts dans l'Ukraine, l'ONU tracassé après condamnation à mort de ban combattants étrangers dans Donetsk, système judiciaire, ban rebelle pro russe pas Péripol, n'a pas garantie essentiel pour un procès équitable. C'est ce qui est pour de parole au commissariat droit de l'homme de l'ONU, Findi. Voilà, c'est la fin de sa synthèse là. Merci. Vous venez suivre l'information Péripol à CTR. Pour la suite, vous pourrez trouver Nawaz Bugs, Jack dish et que ce l'invité Rama Sitanen. Radio Plus Non. Je m'appelle Rudy Rayo, je habite à Albion et je suis contracté un maçon. Pendant 10 ans, je fait un travail là et j'ai 10 travailleurs qui travaillent avec moi. Le premier risque qui nous est là, c'est le temps. Alors, si nous devons répondre à un matériel, nous commençons à travailler nous devons mettre un passé pour que les clients ne perdent pas d'autres matériaux. Ça, c'est un plus grand risque, c'est voler Cascadena, cocasuchi aucun matériau. Le lendemain, le matin, nous rentrons au sentier. Nous prenons des outils, nous prenons des matériaux pour le travail. nous faisons téléphone client, fait client connaît. Et nous n'aimons pas la à suivre. Accident qui est arrivé, qui quand on travaillait, on travaillait au sabotage, il était en train de bloc et ma soeur a eu un problème, les reins. Possible, que si vous VSC, faut prendre un bloc là. Des fois, un autre accident travaille en qu coca arrivé, qu'un avant de pression et nous pouvons travailler à l'autre vitesse. Un travailleur a pour un accident morceau et du bois pour nous. Cette fois-là, nous avons un travail à l'hôpital. Nous travaillons dans des conditions de gros soleil, du vent, la piste soleil, et des fois, le lendemain, nous malade. Deuxième partie de l'émission Code de l'Info nous peut proposer un entretien grand format avec l'ancien ministre des Finances, Ramasidanen, qui peut décortiquer le budget 2022-2023. Dans la première partie, nous consacrons beaucoup aux mesures sociales qu'il prend pour adresser le pouvoir d'achat. finit de démontrer de qu quelle manière le ministre a à de et n'a marge de manœuvre, et n'a ce qu'il appelle l'espace fiscal 40 milliards d'euros. D'après Ramacitanen et il pensait qu'il était capable de faire beaucoup mieux donc, pour permettre à la population d'adresser le problème du pouvoir d'achat. Maintenant, nous avons l'aspect macro et économique, la relance économique. Est-ce qu'il y a une relance économique dans sa budget-là Est-ce qu'il jette les bases pour qu'on se prépare l'après-crise euh, Ramacitanen avant qu'il me pose sa question, Movino sa prévision de croissance qui le ministre de la de 8,5% en 2023. Donc, pour vous, impossible pour, les, pour les archives, ça euh, Oublions le, le chiffre. Ma question, c'est d'où sortira la croissance Quelle manière nous pour une croissance pour nous capables d'augmenter nos richesses nationales et redémarrer l'économie Vous connaissez, n'importe quel économiste, que il y a trois ou quatre façons de faire croissance le ministre est un grand amoureux de la consommation. Le problème avec la consommation, c'est majorité de ce qui nous consomme, importé. Alors, euh, nous avons un déficit dans nos balances commerciales et nous avons un déficit dans nos balances de compte courant, on peut déprécier et nous avons un backlog. Moi, je on peux dire que nous avons besoin de relance la croissance par la consommation, mais le ministre trop exagère la consommation. Et le problème avec la consommation, bien sûr, que c'est très Second, gouvernement a dépensé. C'est un grand croyant là-dedans. On appelle les pays de nous, là, pour faire croissance, pour lui dépenser, il n'est pas qu'à dépenser. Et là, il transfère ça, il y a dans Special Fund. Special, ouais. Dans Special Fund, même affaire. Mon, mon, non, mais le mais, mais gouvernement peut dépenser, ça a... a même un chantier un peu partout. Oui, mais moi, donc, il ne peut pas faire ça contre les affaires. C'est ce qu'on appelle l'infrastructure productive. Okay. C'est ça le problème. Et, le plus important, d'après moi, mon avis, deux piliers de la croissance plus important, qui ne va pas faire très bien, c'est l'investissement privé et l'exploitation. Exploitation de biens, exploitation de services. Il prévision de l'investissement. Bon, une de 21% et FDI 20 milliards. Foreign Direct Investment. Vous ne pas ce chiffre-là. Du tout. Parce que vous pas, il qui ce chiffre n'est pas crédible du tout. Il mm. faut mettre pression dans mon institution pour Dr. mon chiffre. Mon chiffre n'est pas vrai. Qu'est-ce que Moi, je me présente beaucoup de budget. Depuis six mois, je connais qui... Croissance croissance qui ne finit hein, pour 2021. Pour moins ce qui est 4. sans 5. La Banque centrale, s'en est. Alors, ce chiffre-là, nous, nous faire honnête. Il y a trois institutions qui sont crédibles. FMI, la Banque mondiale, et à Maurice. Moi, je fais publicité pour vous autres, c'est la banque commerciale. Je sais, est-ce transparent Ils ne right all tout le temps. Mais, mais quand en vous avez des affaires, ça nous garde un coup. N'importe qui ministre des Finances commence au budget pour faire une review de ce qui est arrivé. Il peut pas le faire. Qui fait Croissance plus basse, ça qu'il veut dire. L'inflation plus élevée, ça qu'il veut dire. Maintenant, nous causons l'inflation. Parce que l'inflation ne peut pas affecter la croissance. Ouais. Mais non, il n'y a une mesure de ce budget-là pour combattre ouais. l'inflation. C'est une mesure qui m'a fait. Mais, mais tu me fais ramasser l'année passée quand tu fais la prévision. Les passée, tu connais pendant la guerre en Ukraine. Sure. Ça et dans, dans, et sure. Bien sûr. Et il y a même un facteur externe. Bien sûr. Oui. Mais il continue. Vous, vous connaissez le ministre est faux. L'eau, croissance, est tout le temps si est estimé. L'eau, investissement, est tout le temps si est estimé. L'eau, exploitation, est tout le temps si estimé. L'eau, l'inflation, L est tout le temps sous-estimé. L'autre, le déficit budgétaire, est tout le temps sous-estimé. L'autre, l'investissement, il y a un chiffre qui est publié par la Banque centrale montré que l'investissement, pour six premiers mois, il baissé. Maintenant, Nous combien le problème de l'investissement. l'investissement dans, dans, dans le secteur productif. Qui s'amène que secteur productif-là Majorité de l'investissement, aujourd'hui, c'est dans béton, dans voilà, IRS, RIS. Majorité là-dedans. Pena, dans le secteur productif, qui Mais nous connaissons dans la diversification agricole, dans la sécurité alimentaire, dans mmh. le service financier, dans la manufacture. il y a un gros volet dans le secteur. Mais je peux juste dire que le grand problème qu'il y a avec le ministre, c'est la crédibilité et la viabilité de son estimation. Le chômage. Nous tout connaissons comment le chômage, MBC. y a à peu près 50 000 gens dans la définition d'un emploi. Nous tout connaissons le fait un les chiffre a baissé. Le conseil du monde, aujourd'hui, je ne vais pas mais parce qu'ils ne sont pas activement en train d'apprendre un emploi, ni ne sont pas activement en à d'apprendre un emploi, C'est ça. C'est ça. Mais là, avec la prime à l'emploi, 15 000 rubis pendant un an, est-ce que vous pensez ça pour aider à l'employabilité de managier Je pense Mais oui. Parce que, dans nos l'un des plus grands faiblesses de nos pays, pour nous réussir nos diversifications et pour nous monter dans la valeur ajoutée, c'est nos bénédictions nous manqueraient des ressources qualifiées. Skills. Nous, skills. Donc, donc, 3 milliards qui peuvent mettre à la disposition de banques plantaires, PCR, tout ça, l'HIPAP. Bon, ça, ça, nous, nous venons là. Alors, mon, mon réserve, ça, de là, parce que des affaires pour l'ancien, il fait beaucoup d'annonces, c'est l'eau, food security, Good. et l'eau, renewable energy. Ça, oui. nous, nous là, parce que c'est ouais. des deuxièmes pour autant. Moi, bon, je que c'est un grand paramètre macroéconomique. Ouais. Croissance, initiale estimée. L'inflation, initiale estimée. Bon, déficit, mon esprit coûte hein, une ouais. Je n'ai ouais. rien. aussi. Nous, nous, balance commerciale, c'est important. hein. Nous, balance commerciale, pour le plus déficité que nous avons peut-être dans l'histoire de nos pays, ça, elle est là. Massif. Déficit. Nous, déficit, le compte courant ici, pour très, très élevé. On connaît au aujourd'hui, moi, comme un économiste, c'est si un indicateur qui m'a guetté tout le temps. C'est la balance de compte courant. La balance de compte courant, il y a aussi pas... On peut vivre au-delà au moyen, ou bien dans moyens moyen. So, alors, c'est ça qu'il me ouais. dire, Nous devons le... mettre l'emphase de l'investissement privé et l'exploitation de biens et de services. Donc, la, la relance de l'économie pour venir à travers ça Non, la relance de l'économie pour venir à travers tous les quatre. Il y a quatre piliers de la croissance. Ouais. Il y a la consommation, il y a la dépense-gouvernement, il y a le secteur privé sur investissement et après, il y a l'exploitation de biens et de services. Ouais. Oh. Après, nous avons besoin de FDI, dans notre secteur productif. Oh, nous avons Nous L'exploitation nous fait bien dans le textile, mais dans les autres secteurs, c'est parce que les roupies sont dépréciées qu'ils nous gagnent plus qu'à 100 roupies. Je mm. me oh. bon, rappelle qu'à mon ministre, moi j'ai un collègue tout le temps, à la d'accompagner des ministres il vient d'augmenter. Il vient d'augmenter en volume ou une il vient d'augmenter parce qu'il a déprécié. dépréciation Les roupies, c'est conséquence un peu, de sa transfert. De bon, politique. Bon, c'est le politique qui vient de faire. Donc, moi, mon pensée, je dirais que mon pensée, si je mettre là en phase, l'exportation de biens et de services. Le secteur investissement. Après, maintenant, nous vînons le Ça, qui vous peut causer. Une des façons de nous faire la croissance, c'est de diminuer l'importation et nous diminuer l'importation par sa des grands chantiers qui nous vînons là maintenant. Ouais. Alors, d'abord, sécurité alimentaire. nous avons sécurité alimentaire. Bon, depuis longtemps, beaucoup de gouvernements ont en envie. Sécurité alimentaire. Longtemps, il s'appelle LI oh, qui nous réduit notre dépendance l'importation pour nous capables économise des vies. Maintenant, il est plus important parce qu'il nous cause non seulement des vices, mais accès à ces produits-là. Parce que beaucoup de pays maintenant peuvent mettre embargo à ces produits. Alors, qu'est-ce que nous faisons légumes, nous faisons fruits, nous à poissons, nous faisons l'élevage, parfois. Gile, ce oui. a fait là. Nous avons encore beaucoup de ça, malgré tout les mesures qui annoncé. Mm. Maintenant, le ministre, il annonce deux trois mesures qui sont correctes. Il demande subvention manne de une grande pour fertilisant, de une les il donner pour une fertilisant il pour aide pour avoir accès à certaines facilités, il donne une garantie prix. Mais il ont fait ça dans le passé. Un un repackage, à moi, je suis envie il n'y a nous sommes capables de faire ça, et mon besoin, qui okay, me concerne, bien sûr, c'est rentrer dans la devise, mais il me concerne beaucoup plus sur la sécurité alimentaire, que la population gagne de quoi nourrir. Mm. Mon pensée, rien que le ministre, ne fait parler il ne qui rien tout seul. Nous besoin être dans la pour être capables de moderniser, pour être capables de participer dans sa efforts nationaux, pour nous capables de faire la sécurité alimentaire. Ce n'est pas eux qui n'ont plus beaucoup la terre. Nous ferons l'eau là. Plus beaucoup la terre, c'est le corporate sector qui est. Mm. Aujourd'hui, à mon avis, malgré tout ce mal incentive qu'il va donner là, le grand frein à food security, c'est la ouais. Qui nous appelle l'ANIUS, si moi je suis terrain, et moi, je dis à que si je fais ARS, si je fais béton, je suis capable de plus de casse que si je fais sécurité alimentaire. Qu'est-ce que vous faire ça est arrivé. Nous tellement de facilité pour faire IRS, RIS, qui, maintenant, n'est plus intéressé à faire sécurité alimentaire. À part quelques compagnies. Mais j'ai une débrouillée. on est avec gouvernement maintenant. Mais, bien, simple, bien simple. Bien simple. Comment il peut faire pour encourager du monde à utiliser ben, le taux hybride et ben, le taux électrique Électrique. électrique. En rapport ça. avec ben le d'accord, qui servit fossile fuel. Ou taxer N, ou donnez une subvention. Tout le pays fait ça en Europe. Ouais. Mais ici, nous peut donner trop beaucoup de facilité. Moi, bah, je disais que Bizan payant en C'est le degré. Trop beaucoup. Mmh. 80% du FDI n'est pas capable dans, FDI, dans, dans Real Estate. Et ben, Alors, nous bisons soit taxer N. Et prendre ça. Donne le reste et avoir un ben signal qui, si on investit là-dedans, on a fait longtemps ce système-là. Qui ne se y a longtemps? Si on a envie de convertir la terre, on a besoin d'un un peu l'État. Maintenant, nous ne peut pas dire ça. Si on a envie de convertir la terre pour faire ça, on a besoin de sécurité alimentaire. Nous avons besoin d'une stratégie nationale entre le secteur privé, entre le gouvernement, aidée par un institut de recherche. Qui est MSI en qui est l'Université Maurice, pour qu'il y ait une meilleure pratique culturelle. Il y a des oh. affaires dans lesquelles nous sommes capables de gagner faute sécurité bonheur. Mm -hmm. Dans pommes de terre, dans pommes d'amour, dans euh, euh, agro-industrie, dans tout. Et nous avons d'aide aussi pour nous faire la transformation mm -hmm. de ces oui. produits-là. Tomates, des autres choses. Oui. Ou, obviously, je suis bien content de faire ça pour les planter, mais ce n'est pas ce qui est qu la terre. Nous busons aussi discute avec des avec Bangro et autres. Et dans des façons de faire ça. Stick and carrot. Vous ne pouvez constater que le secteur privé est sous l'influence très éloignée dans sa budget-là. Le gouvernement peut élargir ce champ d'action. L'ILIP finance tout et le non, secteur privé. Oui, le secteur privé, c'est ça. Nous honnête. Dans, dans une situation difficile, ça peut être Evidemment, tout le monde présente qu'ils ont envie comme l'intérêt national. Quizzot de but, c'est dans le béton là actuellement. Mais parce qu'il y a plus qu'à là-dedans, j'dis. Quand 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 ministres longtemps, nous nous donnons. mais nous pas tu donnes sa quantité facilité là. C'est-à-dire, Tout économiste connaît. Li au détriment de la population. Tout économiste connaît. Taxation and subsidies decide to a large extent the allocation of resources in a country. Ça va nous dire là? Vous avez un plus casse là-dedans. Oh, c'est cette mine qui n'a plus beaucoup la terre. Bon, évidemment, comme on cause l'autre, justement, les deux ne sont pas mutuellement exclusifs. Il est Alors, si nous ne pas réussi résoudre ce problème-là, comment y a pour faire un grand plan national Avec un petit bien sûr, mais surtout avec Ben gros. Et il nous servit des carottes, des sticks. Et nous servit également sticks. Et comment la, le, la, la nouvelle génération, est ce qui pourrait intéresser avec ça Mais maintenant, l'agriculture la, n'est pas comme longtemps. Nous avons ouais. servi de technologie, nous avons servi de robotisation, nous avons servi de nouveaux pratiques culturales. Hydro-ponyme. Nous avons servi de Alors, il y a toute une gamme. Vous connaissez et, et nous avons ça en Afrique. Mais on va dire en Afrique. On est capable d'attirer aussi une grande compagnie étrangère pour venir. Mais une grande compagnie étrangère pour venir. Ce n'est pas qu'elle venir. Si ben il y a des gens qui la terre, il ne peut pas faire ça avec d'autres. Comme moi, voilà, j'ai ouais. le hôtel. Et d'autres ouais. qui parce que le gouvernement a dans la terre. Mais ici, le terrain qui appartient à beaucoup. Le gouvernement il a un terrain. Moi, ce qu'ils m'ont proposé, il a un plan Marshall. Ouais. Mais c'est moi, il faut une incitation. Nous donne trop beaucoup incitation de l'autre côté pour qu'il y ait une affaire là. Vous voyez, même si c'est un, 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 un problème, il y a une bonne mesure mais on espérait qu'il d'annonce et qui dans 5 ans, ne peut cause le même problème que 80%. Et nous, identifié. On a fait ce travail-là. En termes de poisson, en poulet, nous, ok. En nous, ok. En termes poisson, nous, nous a fait En termes okay, okay. légumes, nous, avons pas fait Et après, nous avons gott un coup qui nous a faire euh, pour, euh, pour gérer plus ou moins cela. a énormément de mesures, mais, me mais on a l'impression que mon père, moi, lit pas pour les affecter nous importons de l'humain produits. Après, le second problème qui nous gagner, c'est ben, qu'il faut un de ces produits à Maurice pour plus cher que si nous importons depuis l'Afrique du Sud. Oui, ou pas penser à une hésitation pour investir dans l'agriculture par rapport avec système climat qui nous est là, difficultés, cyclones, et un petit morceau où on ne trouve suffisamment de consommateurs Non, mais nous avons exporté, nous exportons des ananas. On a beaucoup exporté des ananas, nous exportons fleurs, nous exportons exporté des autres produits. Alors, et nous avons besoin incendie. Qu'est-ce que ça Je parle de jelly franc. Mais il y a un secteur qui dépend presque beaucoup le lait du gouvernement. Il a besoin de prêcher roupies, a besoin d'un rebate-scheme, a besoin de bateaux, il a besoin d'affaires. Je regarde beaucoup. Mais qui vient de me bah faire ça pour la sécurité alimentaire C'est mon point. Alors, moi pensez-moi, le signal en termes fiscaux et subventions est grand. Et, faciliter. Changer, et nous faciliter, bien sans et nous avons fait un grand échelle. Et cette façon, nous faire un grand échelle, nous avons en brigade man gros propriétaire de terrain, et nous avons faire en plantaire, faire de la terre une ensemble. Mm -hmm. Pour nous capable bénéficier de l'économie d'échelle, pour nous capable de faire recherche, et pour nous capables servir la technologie. C'est ça, c'est euh, mon, 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 mon argument. Et dans de mesure, mais beaucoup sont mesures, mesure, une repackage là-dedans. Et tant que nous ne pas... Crack this nut, comme on dit, de sans le système and the incentive framework pour faire vivre attrayant à un investisseur pour investir dans food security. Oh, nous ne faisons pas dans les autres secteurs. On ne faisons pas avant. On nous a fait pareil. Donc, ça, c'est au niveau de la sécurité alimentaire. Après la pub, nous abordons le volet énergétique. To you, what is compliance? It's challenging. Regulations keep changing. Compliance audit? Always a tense period for our team. Being compliant is part of our corporate image. This is why people trust us. Professional support and training would be of great help. Talk to Rockfin, your trusted compliance specialist. over a complete range of telemet compliance solutions. Visit our website at rockfin.mu and find out more about our services. Radio Plus au cœur de l'info, oui. la suite. Nous retournons suite avec euh, nous l'invité l'ancien ministre des Finances euh, Ramasitanen, une lutte de vol important, c'est la transition énergétique et dans sa target euh, de euh, donc 60% à partir des euh, énergies renouvelables d'ici 2030 qui n'est pas loin c'est dans c'est huit ans et, euh, et dans une euh, série de mesures qui, de projets qui sont annoncés pour la production de l'énergie à partir de ben sources renouvelables et d'autre part finançant des mesures incitatives ou de manchonnies pour encourager l'achat de ben véhicules électriques alors qui vous pensez le le, le signal qui peut donner hein? de toute façon un pays comme Maurice, qui nous subit à beaucoup plus euh, l'émission euh, euh, de carbone, qui nous produit, nous tout connaissons, qui beaucoup, de pays, nous subit ça beaucoup ce qui nous produit, nous avons un choix, même une base existentielle à l'avenir, qui nous décarbonerait, nous l'économie, on appelle ça. Hum? ça fait. Maintenant, il y a plusieurs façons de faire ça. Un transport, un là-dedans. Public transport, qui est un des plus grands euh, euh, émetteurs de, de, de CO2. Maintenant, si nous avons aujourd'hui, nous avons fait beaucoup de progrès pendant assez longtemps. Moi, je critique ce gouvernement-là, parce que tout gouvernement, qui nous était aujourd'hui. À peu près 80% de notre source d'électricité vient depuis fossiles fuel une combinaison charbon ou fuel oil. Et 20% de René Mais de ça, 20%, il y a un misnombre. 90% de ça, 20%, c'est bagasse. Ouais. qui, Des chèques et des chèques qui nous font. Mm -hmm. C'est l'affaire que nous capable sommes qu capables de faire. et ce nous nous générer plus de bagasse à travers le même type de canne, quoi, à travers la technologie, pour qu'il augmente ça? Alors, il y a une limitation. Quelle quantité d'électricité nous avons gagner, à partir de la biomasse qu'on appelle bagasse? Maintenant, nous pouvons nous acheter les restes. Ouais. Est-ce qu'il nous a servir les autres biomasse pour faire ça? Nous reste un qui nous fait ce type d'énergie renouvelable. Que le soleil, que les vivant, il y a bien cher. L'énergie de la mer, capable bien cher. Encore une fois, je pense que la seule façon de résoudre ce problème-là, nous avons un plan national que tout le monde là. C'est le le secteur privé, du monde, c'est ça. Let's be honest. Au niveau individuel, c'est pour le micro, ça. Ouais. Ah donc à pour nous, on nous roule nos président, nous roule le télévision, l'excès nous vend ça l'électricité, mais tout CEB une, une bonne affaire qui ministre une qui est a annoncé qui prit à l'équilibre pour vendre ça euh, pour augmenter, mais ça il y en a des mineur. gros là business ville depuis le secteur privé et CEB et besoin investir maintenant nous avons aussi un, un régulateur qui est indépendant pour pouvoir puisse guetter qu'on pour réglemente euh, différents aspects de sa stratégie d'énergie renouvelable renouvelables et non pas nous tourner une situation que euh, ça qui fait règlement l'ici un, un 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 opérateur ouais. est-ce qu'il y un coût de production de baisser ça, ça, ça dépend ça dépend coût de production de renouvelable il baisse en il peut baisser avec technologie mais renouvelable si elle a un peu de problème hein. Tu uh, uh, voiture électrique mais voiture électrique ici à vie pile et bien, pile, la ben matière qui est servi, mais ça aussi, mm. polluant. Et surtout, comment vous bury, comment vous. Euh, ouais. euh, euh, enfouissement. Enfouissement. Mais dans le côté, nous avons une voiture électrique, mais si vous servez électricité qui est générée par mm. coal, qui, ou bien parce ça ne pas représenter. Non, vous avez une balance, il vous prend le temps. Il vous prend le temps. Pour le moment, là, tout le monde perd la donne, qui fait que semaine, avez une voiture là ci Il y a aussi cette difficulté-là. Moi, je pensais que les bons, qui nous a cet objectif-là, je pense que c'est difficile pour atteindre aussi vite. En 2030. Je pense 20 que c'est difficile. Parce qu'il y a 60% là. Mon pourquoi nous ne pouvons pas faire ben, un progrès énorme dans la biomasse. Vous savez, on a tout. Mais alors, est-ce qu'il y faire cette quantité là, depuis Wind Energy et depuis Solar Energy, ça ben, reste un peu compliqué. Par contre, ce que nous devons faire, en sus de l'énergie renouvelable, je pense que Maurice encore est encore capable de gagner beaucoup. Le ça qu'ils appelle efficacité énergétique. Les mmh. ben, Européens font ça, les ben, Américains font ça, les ben, Réunions font ça. Ce qu'on appelle efficacité énergétique, c'est-à-dire qu'au lieu de faire une activité où on consomme X électricité, pour, consom pour faire même activité, on consomme 50% X. Mmh ouais. Et là, on est capable de dire au GDP, qui est à peu près 550 milliards, on a servi moins d'électricité si vous fait ça. Hein, on est capable d'isoler la case mieux on capable de faire un meilleur contrôle, mm -hmm. on capable de faire un globe qui sait... T es -t es. Donc, quand ces petites, petites mesures qu'on ne capable de faire, on ouais. ne capable pas faire efficacité énergétique... Beaucoup de Mauriciens commencent à m m ont faire ça. Et bien sûr, ouais. de... nous avons fait faire tous les deux. Nous avons fait faire efficacité énergétique pour nous diminuer la croissance de l'énergie et nous avons besoin aussi, je dirais, mettre en phase l'eau-là. Mon pensée, euh, l'ambition, mon lien un mandat qui est publié par un expert de Manzuno, de Manzuno spécialisé. On pense qu'il est capable de remplir ce qui 20, 20, 30. Mais nous avons besoin de faire ça. Mais nous avons besoin d'un regulatory framework. Et encore une fois, nous avons besoin d'un incentive. Il n'y a pas incentive là. Mm. Mais nous avons besoin de faire problème pour nous. Parce que nous avons besoin de résoudre aussi ce problème de batterie là. Comment il y un enfouissement Et après, qu'il faut à court terme, le pays européen, c'est tout le monde qui a oublié ça là. Ce qui fait un peu difficile pour nous pour nous ce même hein, produit-là. Nous avons fait ça pour bis, nous avons fait ça pour camions, nous avons fait ça aussi pour nous, en industrie. Je tout examine au nom pour nous capables, éventuellement, nous mm -hmm. the production and the operation, euh, de décarboner les productions et les opérations de l'économie. Alors, l'ambition et je nous nous capables capable de faire ça. Depuis longtemps, nous faisons ça. Ouais. Moi, ma mon, 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 mon grande inquiétude, c'est que si la majorité, ça. 80% qui nous a réduit à venir 40% là. Bizin vine depuis soleil, soleil est euh, euh, du vent. Mon pensée en terme hydro bien compliqué hein. Nous nous avons fait ça l'expérience on hein. En tant la même possibilité pour hydro. Si bizin vine essentiellement de ça de là. Bon à moins à moins le service a duré un certain nombre de gaz et ce même gaz là. il y il a moins il a moins euh, CO2 émission dans mm -hmm. gaz qui est dans dans le charbon ou qui est dans, dans le fuel oil. Mm -hmm. Allô. Notre pénal choix, on pense que nous, notre choix à long terme, nous obliger d'une base serait-ce euh, existentielle. Et après, il bon. Il y en a beaucoup investisseurs dans le monde et beaucoup de touristes maintenant décidés pour investir dans un pays ou bien pour visiter un pays basé sur le carbone footprint. Ouais. Ça hum, aussi important. Nous besoin mais sure que aussi qui l'industrie touristique, l'industrie service financier, l'industrie manufacturing, autonome. Pour ne pas à uh, meet expectation expectations là. Both on the demand side en termes d'efficacité énergétique, both on the supply side. D'accord. Donc vous pensez qu'il y a le potentiel, mais nécessité, que ces regroupements, modernisation et centralisation. Diminage grand, grand, mais ça est une bonne affaire. Sac Maurice Affelie, mais Sac Maurice Affelie ne peut pas avoir 60%. Diminage gros laissé, hmm? D accord. D accord? Alors, Alors, non... là, c'est fini. D'accord. Alors là, nous avons l'occasion parce qu'il euh, euh, a beaucoup de euh, bonnes ben, Compagnie d'un secteur privé, c'est encore un une service à bon. C'est vous faut aussi une stratégie de la sortie du charbon, de la sortie de fuel oil. Comment nous vous faire ça Ça transition extrêmement important. Donc, tous les outils technologiques, tous outils d'opération pour affecter pour ça. Donc ça c'est au niveau de la transition énergétique. Et, euh, les autres secteurs ne pas pas grand chose au secteur financier. Euh, qui connaît très bien Ramastanen. Euh, donc, euh, qui, qui pensez-vous, Lola? Et, euh... le, le, le secteur financier il a, a deux problèmes. Nous a d'abord un problème, nous n'avons pas de ressources. Du monde, à ce niveau-là, on hein? fait enfin, une petite publicité, c'est du monde qui nous gagne le BSI, qui nous fait très bien, je deviens un job, je ben, t'appelle à écoute-nous. Tellement difficile. Tellement difficile. Hein? Et le problème qui nous paye gagner ne peut pas attirer suffisamment du dans sa secteur là parce que ça Paris Alpailler nous a un déclin de la population ou bien du peut quitter nous et aller non attends plus que ça nous nous on est là le régime fiscal que le ministre des attie il a introduit le solidarité taxe à 40 et le csg peut faire mon investisseur pas venir et peut faire mon du monde pas venir et peut faire mon Mauricien aller nous dire aller front et, 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 et ce mot honnête là-dedans. Euh, le ministre des services financiers, il comprend le problème. Il est une très personnes. L'industrie L'industrie gâteonne avec lui. Mais il pas lui qui décide. Il comprend que euh, euh, le problème qu'il a gagné avec ça, c'est qu'il arrive trop vite. Mm. Ça, ça, tout pays dans le monde, de 5, 10, 15, 20, 25, c'est là, ils sont aussi 15, 20, 40. Et il y a un excellent document qu'il écrit. Une compagnie de Global Business qui il fait une comparaison entre Maurice et six pays, cinq pays. Singapour, Luxembourg, Dubaï, la France, Finlande. Nous n'avons plus taxé, Nous n'avons taxé. Alors là, nous avons quatre phénomènes. Mon Mauricien de haut qui a rentré, pas Mauricien Maurice, puis à Luxembourg, puis à Malte, Mal, pas les autres endroits. Un étranger, puis a aller parce qu'il est trop élevé. Quand on a eu 140%-là, quand on a juste 3%. D'accord?

un investisseurs et nous avons attiré une foreign libre. Mm -hmm. Et aujourd'hui, l'IPAP est capable de faire ça. Nous avons un grand problème. Oui, C'est un problème. le salaire également, ce qui est dans le secteur offshore ici et quand vous peut cause Luxembourg, ouais. Singapour. Non, mais, mais ramassez oui, nous À nous, entendons bien. Est-ce est est que vous pouvez dire, moi, que quand vous êtes ministre des Finances, un ben, salarié qui gagne jusqu'à 75 000, mm -hmm. 000 rupies, parti Pépéine comme taxe Vous pas 75 000, vous avez dire ans de Mais vous avez la l'inflation là-dedans mon frère. Ou si vous faites de la démagogie en moi-là. Non, il n'y fait que de la démagogie. Impossible pour 100 000 djimoun, pape et pape, moins taxes. moi, je ne suis de l'exemple. On a l'exemple là. Ouais, non, pas besoin de mon à ma star. Non, 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 mon collère. Mon tout. On a 170 000. C'était à l'époque là. Non, mon tout... Et finance des Finances. tout cas, ça, nous faisons bien clair là, parce qu'ils ne sont pas là pour faire de la démagogie. Ce qui gagne la paix entre 53 846 rupies et 75 000 rupies, pépé 12,5% taxe. Oui. Ok? Et ce qui vous peut dire, moi, qui. Allez, c'est vrai. Ajuster pa... pour salaire. Une baissée, oui. là. Ajuster pour salaire. Oui. ça Comme on dit, on n'a pas de pépé taxe en début. Pas de pépé 10 taxes. Non. Non. Et quand le ministre dit que 100 000 rupies. Moi, je donne un exemple. Ouais. D'accord, quand on a eu l'eau là. Le ministre peut dire que 100 000 rupies qui ont pépé taxe. Maintenant. Pour un djimoun, je dis que un officier ministère Finances, je vais calculer ça. Jusqu'à 50 000 rupies, vous gagnez 1 000 rupies avec le gouvernement. Si vous gagnez 52 000 d'accord, vous ne gagnez rien. Et vous taxiez pas baisser. Parce que vous continuez à payer 10 Elle fait calcul là. Elle fait calcul là. Il un qui a 52, 54, 55, 58 000 là. vous vais continuer à payer 10 que j'ai payé avant. Je ne sais pas pourquoi ils rien avec le gouvernement et le purchasing power, ils n'ont pas 15%. le plus loin. le plus loin. Comment cause ça On demande un sens pour ça. C'est le pays dans le monde qui a un système de taxation qui n'est qu pas gradué. On est gradué. Gradué, ça veut dire qu'il y a des gens qui munissent une donnée. Oh. Jusqu'à le seuil de 53 000, whatever it is, au pays 10. Ouais. Mais au pays 12.5. Le « above it », le « above it », le « above it », le tout, le tout, vous avez payé 12,5 Vous n'avez pas arrivé une anomalie, là. Mais 10 000, vous un petit peu plus que ça, 10 là. Je ne parle pas d'augmentation, parce qu'en bas, 50 vous paye payé 10 le 150 000 là. Là-haut, 50 vous avez payé 15 le tout. Vous avez payé moins casse qu'on connaît combien de pays dans le monde font ça? N. On encore 10 ministres des Finances depuis l'indépendance. Mais il y a un ministre des Finances qui fait ça. Tu fais une fois, mm. de ne tu prends deux ans pour réaliser ça et Pas faire taxe comme ça. Tu checkes dans Hong Kong, tu checkes dans Singapour, tu checkes même dans un pays communiste. Ils tout le temps gradué. On a first 500, tu payes ça, après on monte. Là, je ne fais ça. Je vais je vais faire un appel, le ministre Padéachi. C'est très injuste qu'il y ait un Jimoun pour refuser augmentation parce qu'il vous paye beaucoup plus de taxes parce qu'il est sorti d'un barème d'un autre l'autre barème et le système n'a pas gradué. Alors, alors l'Éclair, peine à 100 000. Peine à 100 000, dit tout. Et un des Jimouns, on va donner un exemple. Nous prenons l'exemple, on va le cause, là. Un Jimoun, il paye à peu près, en moyenne, 2 000 roupies par mois. Mais je produit, produis pour 25 000. Nous prenons 15 jours qui gagne 900 000 rupies. Quand il tient allowance pour lui, pour ses enfants, pour sa madame, il reste ce qui nous appelle un taxable income de 100 000. Oui? Mais il ne s'est pas réagi. Félipe est 12,5 au lieu de 15. Le Felipe économise 2,5. 2,5, le 100 000, le fait où 2500. Okay? Il gagne 2 2500 rupies par an. Si vous divisez ça par 12. Il faut aussi 200 roupies. De taxes que le gouvernement. Peut non, c'est quest -ce qui qu'il prend dans ce poste. Oui, oui. So, what's the joke? Je ne peux pas calcul là. So, encore une fois, pas vrai du tout. Al checker tout ce monde qui gagne entre 50 et 55 000 roupies là. Il ne a pas gagner. Et pourtant, je ne perds pas de purchasing power. Et Al checker ce monde qui gagne 800 et 900 000 roupies là. Zot, taxable income ou chargeable income. Quand chargeable income dépend de beaucoup d'affaires comme dépendante, vous Maintenant, si ça dit monde là l'IPP, l'intérêt, le seul loan, il y en a un pension scheme. Non, on n'y est pas pour gagner. Non, on n'y est pas pour gagner. Et bien qui puisse gagner, il peut gagner 100 roupies par mois ou ça 100 roupies par mois. Vous bon. ça c'est le ministre la des de la Finance pour vous arriver là Ou si mmh. vous la peine de pouvoir d'achat combien 2000 Mais encore une fois, regardez ça. De food, dépense moins. C'est ça qui est l'affecté. à cause de ça qui est mon argument c'est pour donner sa 2000 rupies de Income Support ou de Food voucher là, à sa de gens parce qu'ils ne sont plus affectés. Alors, ça a fait, ça a fait taxe, comment on dit Nous ne pouvons pas payer de gens-là. Des Maurice. Et moi, plus loin. Je suis honnête. Nous tous connaissons un truc-là. Le ministre de la il ne même pas dire que c'est une solidarité taxe. Vous mm. connaissez qui fait Il y a un ticket. Parce qu'il peut mettre ça ensemble dans les autres. Vous connaissez qui fait Il mm. a un tout le monde sait avoir une taxe élevée. Tout le monde sait avoir une taxe. Tout le monde peut faire tax planning. Tout le monde n'a pas de bonne augmentation. Je le redonne à cette facilité. Tout le monde joue avec ça. Troisième, il n'a pas natif sur résultat parce qu'il n'a pas de beaucoup de casse. Et quatrième, il y a un maire de monde un Mauricien qui est bien qualifié, qui aime pas papier contre Maurice. Et c'est bon, pas Par contre, ce que nous devons faire, quand taxe raisonnable, je veux me payer. Je ne pas trianguer. L'économie croît mm -hmm. je veux me payer. Mais pas. Mais quand le ministre se réveille au soritie, se dirigeait, puis disait je suis très satisfait de l'évolution évolution, hein, revenue au niveau taxe, de la payer, taxe. Mais plus beaucoup de taxes gagnent le TVA après le taxe low income à low le, le personnel income et taxe le corporate profit, mais sa taxe qu'il mettait là une taxe que je n'appelle idéologique. Mm -hmm. Soit 15, 20, 40. Fine neuf il y a des gens qui ne sont pas capables de voir ça. Mais, il y a des gens qui ne sont pas aller à Maurice. Et puis, c'est pas pire qu'un casque. C'est pas pire casse. casque. C'est un le purpose. Alors, à cause hum, de ça, moi, mon Dieu, ben, il y a des gens qui ont envie d'écouter, ils ne sont pas les perdre du point. OK Mais, il fallait venir graduer comme Singapour faire, comme Hong Kong faire. Et 10, 12.5, 15. Mais, le coup, il fallait venir 17. Il fallait venir 20. Il fallait venir 25. Et là, il y a des gens qui sont pas senti ça. D'accord alors, c'est le seul pays dans le monde, d'accord, qui, en progressive taf, pas graduated, tête, all or nothing. Le all or nothing. pas bon. 208, 49, 99, ou le 59, 99, un ben, euh, auditeur qui a téléphone nous pose euh, ben, une question à Ramas Sitanen. Mmh. Ramas nous, nous présente même budget dans, dans le passé. Et nous trouvons qu'il y différents budgets, pour avoir toutes mesure qui réunit euh, des ans, trois ans, ce qu'ils appellent du, du réchauffé. L'âme, par exemple, autour de le rivière des Anguilles-Dames, Financial Crime Commission. Donc, euh, l'opposition fait beaucoup de jokes avec ça. Qui est qui arrivé parfois, qui, qui fait, qui s'est ouais. imposé la réunion, qui a une difficulté qui gagne qui pour réaliser ce qu'on Moi, Moi, je vous ai dit, bien chagrin pour Benjamin qui des Anguilles, qui d'ailleurs, c'est la du ministre. Depuis mon ministre ne peut annoncer rivière des Anguilles-Dames, vous hein, avez dire où ça hein. Ça fait 15 ans. Mais, plus que 12 ans. Vous connaissez mon. Ouais. mon, mon

L'année prochaine, il pourrait annoncer une des Anguilles. <laughs> D'accord Là, peut rester. laissé. Là, je l'ai laissé. Là, je l'ai Pas pour sa vie. Il n'est pas pour sa vie. Alors, donc, ça souvent, un des grands problèmes qui nous gagne, c'est au niveau tende. Mm -hmm. Ça, a dit, il y a des monde qui être là, ils vont protester. Et ça, souvent, prend les temps. Second, moi, honnêtement, pensais qu'il fait une pénal capacité pour plan et capacité pour exécuter un des avant grands projets là. Mm -hmm. bon et après, troisième, qu'il fait un avant suivi qu'il pas peut faire. Beaucoup de projets, nous pour là, les mêmes affaires. Je ne pas nécessairement critiquer le ministre de logement. Depuis deux ans, c'est supposé Mais là, bon, moi, le ministre, il dit qu'il détruit la case, il, cas, il fait, Mais pas dans ce programme-là. Ça programme-là, la case, programme, il faire. Cas, fait là, le 12, le 12 000, il, démarrer, là. Là, il a démarré, là, il annonce. Oui, mais en des ans, il démarrer là. Ouais. 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 Il des difficultés pour identifier Il un... okay, ouais. fait mais... une Il Mais ça, qui a dit, moi, qui à cause ça, dit qu'il pour rester. Mm -hmm. Ça pour rester. Et dans beaucoup de places, euh, nous avons un problème là. Les propositions financières, on pensait métrologer pour, pour, pour un désastre financier. Honnêtement mm. là, là. Les capables, bon, économiquement. Hein, tout le temps, on fait la distinction là. Vous connaissez, moi, moi j'ai eu une discussion terrible avec mon collègue. Moi, je disais que ça, économiquement, ça a quand même fait un sens. Parce qu'il facilite un euh, transport, un terrain, save time. Il y a des gens qui voyagent content. Mais financièrement, c'est quand même tout le là c'est la donne Ouais. Mais est-ce qu'à long terme, pas, pas capable de euh, récupérer ça Financièrement, on croit, non. Impossible. Donc, financièrement. quand on parle financièrement, ouais. c'est avec casse qui vous a gagné. Mankas qui payait, on augmente augmenter, et vous avez un peu même plus biché. Pensez-vous que tu veux faire le métro léger, payant Moi, je pensais que, que tu veux faire... tout, avec tout le temps maintenant, Donc, tu veux faire comme les autres pays font. Tu veux faire, faire un very sophisticated euh, best transport system qui paraît comme un métro, qui est entièrement moins cher. Hum et alors, on vous oh, a ça, ici, vous pouvez venir un Burden, éventuellement, les bons. C'est ce qu'on appelle un appel from an economic standpoint économique. C'est-à-dire qu'il baisse un la pollution parce qu'il s'agit électrique. Et second, il facilite le travail. Mais il y a, un bon, il y a de des créer des problèmes. On habite quatre bornes. Et on ne connaît pas que ça qu a l'idée de faire ça sur la route Saint-Jean. Ouais. On connaît le phalan on peut conduire le c'est Il y a un appel pour les pompiers. Allez, on se demande qu'ils un stock. Ouais. Tu te tu les autres pays comme on, on connaît mon voyage en Europe, je prémets tout en cas d'urgence, rentre le rail là. Ici pas un droit. Ouais. Je je suis Ouais. Bon les autres pas c'est OK. îles réduites, c'est la même situation. Ouais. Mais mais non, tu préfères à au pilote, il coûte plus cher. Non, mais sauf non, non mais ça vient danger, terrible. Mais si on a une bicyclette ou motocyclette devant, nous, c'est infernal. Mm -hmm. so, malgré le qu fait qu'ils je fait fais mal les autres la route alternative, au moment qu'il qui est un le projet qui nous fait qui m'ont pensé, elle dit là non m'ont pensé économiquement 25 ans. Ben, l'économie là, il faut society point de vue. Mais financièrement, je pense plus c'est difficile. Après, on a un e risque qui, a, le stade, nous tout connaissons, qui peut avoir suffisamment de casse pour payer ça. C'est so, tout cela pour le, le gouvernement, quand c'est un SPV là, pas pour avoir suffisamment de casse, parce que maintenant, il y a un SPV. Maintenant, l'opposition mais, mais peut dire que le dos, c'est un éléphant blanc, vous êtes d'accord avec ça ou En tout cas, si définition, un éléphant blanc veut dire qu'il puis suffisamment d'activité pour générer assez cash pour N, limite sur opérationnel expense, après il rembourse dès et c'est l'intérêt, les LN les fonds blancs. Vous hmm. pouvez me dire où là C'est qui est le cas. Nous prenons euh, des trois appels avant de nous terminer. Nous avons M. Bicou euh, de la Flora. Allo. Allô Allô, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonsoir Bonjour, question. Je peux donner une affaire qui est bien, autant qui vous répond. Étant donné... Côté pension, moi, non, je ne sais pas. Allô? Oui, oui, nous écoutons, oui. causez, monsieur. Oui, oui. oui. Mais, moi, je vais payer 15 de tout ce qui m'a acheté dans la pension que je gagne là. 15 quoi? TVA? VAT, dans tout ce qui m'a acheté. Oui. Mais, à ça, 000 euros, je vais payer de moi là. Je vais payer un pensionné, là. Donc, si vous ne pensez pas qu'il y a 10 000 rupies, mais quand vous pensez aux VAT là-dedans, qui ne ce... le sait OK. C'est-à-dire 15% TVA et bon, un P2 de 1 000 oui. rupies. Donc, vous bon, bon, peut... ah, Le monsieur a contribué. Le monsieur en a raison. On connaît un domaine critique qui est évidemment euh, le ministre Nguyen qui est... il a fait un effort mais il s'en est neuf pour certaines catégories de nos concitoyens. Et c'est là qu'il faut que nous parlions avec lui, qu'il fasse une targeted approach pour résoudre le problème de ce monsieur-là. Parce qu'il est clair que ce besoin beaucoup plus important que les autres du monde. Et c'est pour ça qu'il y a un des du monde qui dit, ah ben, ou, ou bien, moi si on me fait cette proposition-là, pour certains du monde, qui est plus difficile pour d'autres, mais j'ai qu'il y ait un, un petit plus de casse. Mm -hmm. bon, et c'est capable de faire mal des efforts. Pourquoi il y ce problème-là partout Parce que, moi, dans ce cas-là, ah ben, ce monsieur-là handicapé, même qu'il y a une madame qui, 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 qui fait faveuve, et j'ai a ça, 61 ans, mais je suis tout seul, je suis pension veuve, je n'ai pas eu de pension, mais qui fait que je 10 ou roupies. mon camarade qui a 65 ans, il a une pension dans le gouvernement, dans le secteur privé, il gagne plus. Alors, c'est une affaire qui, vraiment, c'est un drame humain. Je suis conscient qui beaucoup de gens, pour une raison politique, faire targeted approach, parce qu'ils penser que c'est un qui vous bénéficier de cette target-là, mais il y a un cas qui peut venir tout le temps. Mm -hmm. Vous c'est pour ça que, tôt ou tard, nous pouvons adresser ce euh, problème comme dit, hein? Parce que le système aujourd'hui est très injuste. Je vais ça les gens qui m'ont donné le fois. Voilà. Un pauvre consomme un bonbon de gaz tous les deux mois. Un riche, très riche, il consomme quatre bonbons de gaz par mois. Et nous pouvons donner un bonbon de gaz à une subvention de 400 ou 500 roupies Mm. Faites-vous ça dit mon risque là Il y a 4 bombes de gaz qui sont subventionnés par le gouvernement. Et ça dit mon pauvre là de de gaz, alors, Il y a la moitié de bombes de gaz. Est-ce qu'il y a une seule bombe de Maurice pensez ça juste mm. C'est tout pour gaz. C'est tout pour le gaz. Pour le reste, ok, enough, hein, il faut la farine, ça dit mon pauvre là, consommer, consomme 10 pains euh, par. Mais le gaz, ah, mais, il est tellement évident. Et essayons d'être compassionnés. Avec chaman Jimoula. Sinon, nous pouvons chaman Kala. Mohamed de Kupip. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et tu connais qu'il y a un problème d'aging dans Maurice et devant l'année Carvini, nous avons un gros problème dessus. Un vieillissement. Et ce qui est important, ce qui est important, c'est que d'ailleurs, nous trouvons que le gouvernement a une cause de vie bonus pour adresser ce problème-là. Mais ce qui me surprend, c'est que le catégorie A et D, c'est-à-dire catégorie A B, n'est pas d'augmenter pour le budget qui peut venir. Et l'autre budget aussi n'est pas d'augmenter. Alors pour moi, je trouve ça n'est pas vraiment cohérent avec ce problème qui nous a adressé là, qui est aging population. Voilà, donc je vais réaction dessus. Oui, je ne même pas trop comprendre vos questions. Pourquoi vous avez répété cette question-là là. Oui, euh, la question, c'est que le Haïti, pour chaque catégorie, ça a pu augmenter chaque année, mon indépendant a augmenté par 10 000 chaque année. Par contre, l'année dernière, il n'y a pas augmenté. Et pour le budget, encore aussi, mon pas trouve d'augmenter, qui est assez choquant. Et nous, parce une population nous 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 augmente le childbirth de Maurice, pour un gros problème futur qui est alors, tu as vu vos réactions dessus? Est-ce qu'il ne voulait pas, pas faire plus pour adresser un problème-là? Bon, la population connaît... qui peut vivre. Oui, oui. Nous ah, avons un véritable problème. Hein. Bon, L'année dernière, c'est la première fois dans l'histoire que la population commence à baisser. Et d'après une prévision, qui qu'un expert dans la démographie fait, que la population va baissé par presque un tiers d'ici bon, 30 ans ou 40 ans. Alors, ça pose un problème. Maintenant, nous tous connaissons que avons ce problème Parce que le taux de fertilité est euh, baissé et les gens vivent plus longtemps. Et dans beaucoup de pays, nous adressons un problème. Moi, le ministre donne donner 1000 rupies euh, par chaque enfant, si je en comprends bien. Oui, mais ouais. oui. Moi, je ne pas tellement sûr qu'il choisit une coupe pour faire des enfants pour dépenser 1000 roupies. C'est symbolique. Nous tous connaissons qui a euh, qu coûte beaucoup plus cher. Et dans mon pays... Qui ne sait comment il y a, j'ai à madame. Pour combiner trois rôles. Nous tous connaissons que ma madame a trois rôles. Un, souvent, j'ai besoin de travail. Second, j'ai besoin d'avoir des enfants. Et troisième, j'ai besoin de la la C'est compliqué. Et après, quand j'ai des enfants, j'ai besoin de prendre ma maternité livre. Il y a pays qui donne ma maternité livre beaucoup plus longtemps. Et d'autres, foule paix aussi. Il y a des autres. Mon besoin, honnêtement, Lola, on réfléchit souvent à ce genre d'issue. Mon pensée pour difficile pour nous convaincre, nous sommes ben serres, euh, nous sommes ben madame, pour gagner plus d'enfants, pour renverser. J'essayais. Parce que beaucoup de gens maintenant, maintenant je n'ai une activité professionnelle. Je à l'école, ils ben fait mieux que ban garçons. à l'université, ils ont un marché travail. bad time. moment-là, augmenté. Et souvent, j'ai ont difficulté pour réconcilier ça dès là. Alors, moi, mon pensée qui qu'il y beaucoup de solutions, à part trois. Euh, D'abord, pour nous, marché du travail, le taux de participation de madame, il y a plus bas dans le type d'économie. La Grèce, il le même problème. La Grèce peut faire les mêmes affaires. Le pays, encourage madame, madame, parce que le taux de participation de madame est à peu près 45%. Pour ma mère il y a à peu près 68%. besoin ma madame, madame qui pas travaille, rentre dans le marché du travail. Et à cause ça, il nous a une série d'initiatives à côté pour nous faire ça. C'est bon nous n'avons pas le choix. Nous pouvons ouverts pour l'immigration. Singapour fait ça, à Dubaï fait ça, les autres pays font ça. Et surtout, pour ça « hand of the market mm », -hmm. qui est capable de permettre nous de une économie de services, une économie qui est capable à une high income économie de Et troisième, technologie. Ce que appelle technologie, c'est-à-dire qu'il y a une quantité de travail qui est fait par des personnes, maintenant pour faire par un euh, robot, par Artificial Intelligence, par tout ce qu'on a faire là. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de fonctions, il y a beaucoup de fonctions euh, dans les systèmes financiers, dans les autres, qui sont capables de faire parce qu'ils ont des natures répétitives. Hein, et ils sont commoditaires, ce qu'on appelle en anglais Alors, pour d'après le gouvernement donne un incentive aussi pour nous capable capables de servir de technologie. Et là, c'est une euh, 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 de mes faiblesses de l'économie. Nous ne pouvons pas mettre assez l'emphase L'eau, ce qui nous appelle, nous, l nous, nous cause l'eau food security, nous cause l'eau renewable energy, nous pas du tout, l'eau de blue economy, nous une tasse d'installation. d'accord? on ne connais, pas connais qui on s'a dit, on s'a dit, on s'a dit qui me faire les courses là, une tasse d'install, le blue economy, potentiel énorme, nous ne fait grand chose, nous une tasse aussi d'install, qu'il soit dans ce qui nous appelle, tout ça panoplie de technologies, blockchain, digital asset, fintech, et ouais. Mauritius becoming a fintech region ouais. for Mauritius. Le budget des trois dernières, tout cela, c'est ça, après 21 hein. Ça m'a besoin, et c'est ça l'avenir. À un moment donné, un problème qui nous gagne, hein. on P.C. peut résoudre ça avec l'autorité. Euh, euh, le ministre des le ministre, euh, euh, services financiers, il me fait ce travail. Il vient d'apparemment, il me présente un bill, le digital asset. Quand on vous fait ça, il hein, y a un client blockchain, il y a quelque chose. Maintenant, ben ouais. ben, on fait faire promotion. Oui. Une compagnie a envie venir. Mais on ne connaît pas le problème de gagner. Mm. Elle n'a pas encore qu déterminé qui résume la taxe. Ouais, parce qu'il y a des façons de taxer ça. Soit au taxe capital gain ou bien au taxe income. Mm -hmm. mm. Ben, Tant on a décidé. C'est encore un peu de travail là. Mais que nous allons trouver une solution. Second, plus grave, beaucoup de compagnies étrangères qui ont envie de servir Maurice comme un fintech center, aucun de la banque ne parle les trade avec d'autres parce qu'ils sont digital assets. Ouais. Alors, la banque Maurice le de ministère des Finances, mais ils ont une solution pour nous capables d'attirer cette grosse société-là, pour servir Maurice comme un centre fintech, mais si la banque n'a pas accepté qu'ils soient capables de deal une digital asset, mais personne ne va venir. Là, nous gagnons des clients, mais on appelle Singapour, on appelle Dubaï, on appelle Luxembourg. C'est même souvent qui me disent qu'il y a une cassure entre la bonne intention du gouvernement. Ils ont introduit, bon, mesure, après, l'intendance ne suit pas. Implémentation, pas là, et nous trouve des difficultés. Bien. Yeah. nous arrivons à la fin de l'émission pour terminer euh, les effets de la pandémie du Covid. Euh, toujours là, la même temps, parce que vous voyez le singe. La guerre en Ukraine finit faire plus sans s'en sort. Nous ne sommes pas de est ça durer et qui ben l'effet de ça pour une Ou, avec l'expérience, comment on peut trouver les mois sur les plans social et économique et pour ajouter à ça est ce que la crise est également une opportunité oui bien sûr que ça évidemment nous peine la visibilité Aujourd'hui, nous dans une situation qui est caractérisée par risque un instabilité instabilité et nous qu'est-ce qui peut arriver dans l'ukraine et mon pensée moi pas pour résoudre le problème l'ukraine si l'Ouest ne trouve un compromis avec la Russie. Non? Mm -hmm. Qui architecte sa ce compromis-là, nous honnêtes, nous avons dit ça tous les jours, eh aujourd'hui, c'est la guerre par proxy entre Amérique et de la Russie. Oui. Hmm? Parce que tout intelligence peut s'appliquer par un côté, tout matériel peut s'appliquer un côté tout le monde pense manifier de ça va un côté c'est l'affaire qui amené, amener c'est de l'écho quand c'était pas beau on est là alors mon pense moi si pendant les clés qui pendant la ont un côté ben américain et un anglais et ben français et allemand qui pour architecturer ça compromis là faire la guerre pour continuer maintenant si la guerre continue Mais faut pour affecter oui. Hein D'ailleurs, le président Macky Sall, il a besoin de Poutine. que nous ne vous a pas affecté. Ce so, oui. prix pour augmenter. Moi, je crains que le prix pour continuer à augmenter, si la guerre est là, intensifiée, elle nous pose un problème. Et nous connaît comment la Russie et euh, l'Ukraine, non seulement grignent, mais produisent les autres affaires, oui. hein? les autres minéraux, les autres matériaux. Ça haine. Que vous est contre Ça m'appelle ça mon downside risk. Mmh. Second, tout ben banque centrale maintenant peut commencer à faire des affaires. Je vais augmenter le taux d'intérêt et après je vais faire l'opposite de quantitative easing. Je vais faire quantitative tightening. L'Amérique finit de continuer. Et quand nous faisons ça, ben FDI quitte le ben pays émergent, vers ben pays là-bas. De l'or, là, il faut augmenter. Prenons dépréciation. Nous avons aussi, ce qui m'a d'aller là, nous avons un wealth effect. Parce que le marché financier, il baissait pas 40 à 45 depuis l'année, je mm -hmm. oh. me dis, ouais. oui, il est pauvre. même Bill Gates, il me dit, il y a D'accord Et moi, maintenant. Donc, et là, et là, et là, un risque. Là, moi, mon, mon grand risque, c'est l'inflation continue d'être élevée et la croissance de un pays européens, qui nous m'a un partenaire important. Oh. et la croissance est très basse. Beaucoup d'économistes peuvent appeler une stagflation. Quand un on appelle une stagflation, on dit, a exagéré un peu quand je disais comme ça qu'il peut une récession. Mais une stagflation, quand on veut aussi faire une croissance très basse, mm -hmm. avec une inflation élevée. on ne peut pas à l'aide pour gagner ça. On ne peut pas à une récession dans l'Inde. On ne peut pas à une récession dans la Chine. On ne peut pas à, à l'Asie du Sud-Est. Par contre, on a un risque dans l'Amérique, on a un riche dans l'Europe, qui nous pas une croissance basse. Et là, toute question qu'il y a un économiste me dire « will the recession be sharp and short? Or will it be shallow and long? Mm. Nous ne connaissons pas. L'Afrique a vite même victime, Non, mais l'Afrique finit, comment à s'affecter. Ouais. L'Afrique du Sud est a important dans une situation extrêmement difficile. Beaucoup, euh, ce même pays-là, est affecté par ses peines à devise. Nous, c'est un coup. Hein. Sri Lanka, il y a un problème. Après Sri Lanka, nous trouvons que Pakistan, il a un problème. Bhutan, il y a un problème. Alors, c'est, qu'on là, il y a un signe, ça. Oui. Et bien là, il y a un même problème. Alors, moi, je pense, si vous me demandez la question, il y a plus de downside risques à l'économie, il y a plus upside risk à l'inflation, dans le the other C'est pour ça que je pense que la projection ministre des Finances paraît être une trop optimiste dans ce contexte-là. Sincèrement, Ramastanen, euh, sincèrement, vous connaissez vous causez comme un professionnel ou pas, ou pas, mais politique dans ces affaires-là. Sincèrement, est-ce que vous pensez ce qui n'arrive Sri Lanka Un Pavaru et Maurice Nous c'est certaines caractéristiques avec Sri Lanka. Mais Sri Lanka, c'est une situation beaucoup, beaucoup plus difficile que nous. Ça. Nous, c'est un coup qui a un problème euh, que Sri Lanka a. Eu. Je l'investis dans un projet très prestigieux. Un hum? déni, si nous, nous faisons nous avons une dépréciation de la roupie. mais une Mais l'amplitude, beaucoup plus le Sri Lanka. De touristes inaffectés pour nous, Maurice, heureusement, touristes tourisme commence pick-up. mais pas tellement quoi nous pouvons un million. Nous ne sommes pas trop loin avec un million. Mais nous avons résolu ce problème si capacité-là. Et ça, c'est le grand dilemme entre M et l'intérêt, euh, euh, le, le délai. Et Restriction sanitaire aussi. Restriction sanitaire aussi. Je pense c'est mon plus grand problème, c'est site la capacité. Hein? Parce que ça, je crois, mon tout premier ministre, il faut le faire, ça l'a fait. Je pense que ça nous peut OK, mais si la capacité, on ne faire ça euh, vite. vite. So, et nous avons un risque. Et si nous ne pas résoudre, nous avons un problème. Nous avons un coup qui dit, est capable de faire. Nous avons trois affaires. Nous avons un coup. Est-ce qu'il nous dette sustainable? Et façon dette sustainable dépend de nos trois affaires: qui nous peut faire les dépenses, qui nous peut faire les recettes, qui nous peut faire notre financement. Les dépenses, mon pensée, nous pouvons payer parce que les dépenses plutôt augmentées. Mm -hmm. On ne peut pas contenir les dépenses. On est capable de refaire une priorité. Les recettes, est-ce qu'ils nous peuvent convaincre, nous disent, par l'augmentation qui nous a gagné là, nous capable de soutenir à long terme un déficit plus bas et une dette plus bas. Troisième. Et ce qui nous convainc à euh, euh, c'est qu'on peut dispose d'un asset qui est le seul que nous pouvons gagner. Mm. Oh Et après, nous pouvons servir la banque centrale, ce casque, Moi, tout-ministre, il, il paraît de faire ça. D'accord Good ouais. okay. Alors, c'est si euh, ce qui m'a fait penser, écoute ce que l'IMF peut dire. On pas tout le temps d'accord avec l'IMF, mais mon que la recommandations qu'ils de faire, le MIC, c'est une one. Moi, mon le MIC, je vais pose poser une question. La banque de centrale, c'est une central bank. C'est Supervisors and regulates Central Bank, uh, commercial bank. Il a pas qu'on fait corporate banking, Là où je vais faire corporate banking, avec la magie, là qu'il ne peut pas le faire, venture capital. On ne trouver nous la tête pas bonne Pour faire venture capital, bien compliqué ça. Vous avez un spécialiste qui est bien rodé, un grand banquier, même le banquier commercial, il y a un problème pour faire le venture capital. Private equity un peu différent. Où toute la banque de Maurice il y a la compétence, il y a l'expertise, a l'expérience pour faire venture capital. Pénal. La banque centrale il a besoin de concentrer le désaffaire. Assurer qu'il n'y ait pas de risque systémique dans le système financier. Et second, assurer qu'il n'y n'est pas élevée. Mm -hmm. Et à cause de ça, c'est ce qu'ils ont besoin de faire. Ils ne parlent pas d'isbanais. Ah oui, c'est ça ici. C'est ça ici, Félix. Créer un special purpose véhicule, mettre un P4 là-dedans, un étranger qui est spécialiste mini, pour faire euh, venture capital. La Banque centrale a la compétence pour faire venture capital. D'accord. En tout cas, merci beaucoup à Toujours un plaisir pour Evao et euh, surtout euh, au lendemain, où, euh, donc 48 heures et 72 heures après le, le budget. Donc, euh, mon pensée, euh, nous finissons une très bonne discussion. Sur ce plateau, merci, jack euh, Jogdish. Merci à de, auditeurs, de, Ben Vigiteur, Ben internautes qui suivent suivre l'émission. Rendez-vous demain pour La Voix Maurice. Merci. Bon week-end. Bonsoir.